Yes yes. Je arrivé avant toi, Yelin. par point une seconde, je t'ai battu. une seconde, tu m'as battu. C'est fini, ma carrière est terminée. Je m'en vais. Bonne soirée. <laughs> <À> la <laughs> ah, porte là <laughs> est là-bas. C'est ça. Donc, bien sûr, salut tout le monde, bienvenue au Reviews Metal Mind. de ce soir en compagnie de Max, Dr. Poivre et Félix au travail. <rire> <rire> Fallait, fallait, je le dit, c'est juste trop parfait cette situation en ce moment. La belle chemise. Avec l'étudiant qui dort en avant de lui. Ouais. <laughs> euh, Metal-minded lac-froid. <laughs> Étudiant qui dort dans la classe. <laughs> yes! Euh, c'est beau, j'aime ça commencer un épisode comme ça, c'est parfait. Donc, avant de continuer, bien sûr, on y va déjà direct dans les choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on consomme ce soir Félix, tu dois boire plein de choses assez funky en ce moment-là. Je bois du thé, man. Il euh, y a quand même des limites. J'étais pour <laughs> amener une canne de bière, mais là, à Job, c'est limite un peu. Non, c'est passé la limite. C'est ouais, passé la limite un peu, oui. J'ai du bon thé, Yachéchiang, que j'ai acheté à Chao C'est bon. Malgré que tu dis amener de la bière à Job, c'est limite. Moi, ça fait partie de mon travail. <laughs> Oh, mais t'es un peu moins en C'est ça, tu sais. Doc Pauvre, qu'est-ce que tu consommes, toi, ce soir Pour moi, ça va être la La bière, ta meilleure, la NEIPA. La NEIPA. La Fait qu'on va essayer ça. Je l'ai jamais essayé. Ça fait une couple de fois que j'avoue ces tablettes. Ça a l'air intéressant. Ça me parle. C'est une bière très populaire. Très populaire. On va découvrir ça. C'est bon, ça. Donc, euh, toi, Max, qu'est-ce que tu consommes ce soir? Moi, ben, je suis. Félix est dans mon clan. Je ne bois pas de thé, mais c'est pas d'alcool, j'ai un sparkling ice, euh, lim citron et je... une es... un exclusivité euh, de... dans le segment Le à Jess. on a l'ange de bière mm -hmm. du fermenteur qu'on est allé chercher tantôt et que tu vas voir juste au magasin vendredi. <laughs> Ça fait deux fait semaines que je l'ai commandé par exemple. Ça fait que ça fait deux semaines fait que je euh, sais que je vais l'avoir. Et quand tu rentres chez vous le soir avec ton ange de bière, est-ce que ta femme a crié tu pues, tes comptes et encore en boisson? Non, non, c'est pas y aller. Ah, elle ne fait pas ça non plus. <laughs> ah ben voilà. Je me suis jamais fait chioler après pour ça. Bon, <laughs> en fait, oh elle moins. dit, mais, mais avec un ton positif, comme elle sourit quand elle dit. Ah ouais, comme <laughs> <ouh, rire> c'est ouh, ouh, con! » <laughs> Quel genre de king qu'elle a, ta blonde, de si? Ah, T'es con ou t'es encore en boisson? Abus ce soir. Donc, pour ma mort, <laughs> sacrément, on, en... on commence ça en force. Moi, j'y vais avec euh, les micro la microbrasserie Labrosse qui sont revenus avec un branding de fou. Toutes leurs cannes sont extrêmement belles. Et j'y vais avec une West Coast IPA. Uh, triple houblon, cascade chinook, citra, 7%. Ça, ça va être bon dans ça n'a pas le choix. La brosse, est -tu le boulevard du même nom à Gatineau? Oui, exactement. Ah, ça fait que c'est. Son, non, pas Gatineau. Son pas à Gatineau, ok. <rire> okay. <rire> ben, que... Faux espoir. Faux espoir. Oui, ça l'aurait pu, là. J'avais de l'air pas crédible, en plus. Ah, ça, moi, je t'ai cru. Hein, moi, genre, c'est cool. C'est cool comme concept. Non, oh euh, la microbrasserie, la brosse, <laughs> euh, il y avait un petit peu de misère, en fait. Puis, ils ont comme rebrandé toute leur canne, changé les brasseurs. Puis, euh, ça a beaucoup, beaucoup changé la place. À date, toutes les bières et bu du nouveau branding sont excellentes. Puis, pour te répondre, Félix, ils sont à Pointe-Claire. C'est où, ce Pointe-Claire? Pas chez nous. C'est dans l'ouest de Montréal. <laughs> mm. Ils appellent ça Pointe-Claire. Pointe-Claire. <laughs> Pointe-Claire. Nice. Hey, euh, le chat il est quand même assez en feu. Euh, J'ai vu dans le chat euh, justement Josie, je pense, la première fois qu'on voit ici. C'est euh, Joséphine ouais. Ouais, oui. qui, a, qui a écouté tous les albums pour ce soir pour pouvoir donner des notes et tout. Euh, Joséphine qu'on a vu dans des épisodes de Chinoiserie autrefois. Exactement. Mm -hmm. On lui euh, dit bonjour. Ben oui, on a aussi Félix Vallière qui s'ouvre une bière, la Double Black IPA de Ciboire, on a Seb côté qui dit salut, Max Roland qui dit hello, Josie qui boit un kombucha mais qui a une bière dans son frigo au pire. Je veux dire il y a Félix qui trouve une bière puis tu as Maxime Roland qui trouve la gencive. <laughs> Que... Non, il ça s'en est pas ouvert lui-même, Il dit qu'il okay. se bat pas. Là. Non, c'est ça. J'aurais aimé aller au lance-là. Juste... Mais je me suis fait ouvrir la gencive, fait que Je son... J'imagine que oh. un max rolling qui est comme p. Péchoui! Péchoui. Péchoui. Meilleur péchei ever. C'est le péché le plus gore Rest. depuis le début, moi, je pense. Je pense qu'on va avoir du fun soirée. En plus, mm -hmm. moi, c'est comme... comme mon parket fight metal-minded avec vous autres à soir. Là. Que je suis bien content de, de chiller avec vous. Donc, bien sûr, avant de continuer cet épisode, on va faire un petit tour à nos partenaires et sponsors. Donc, bien sûr, allez voir la gang de Joyeux Luron, Poilu métallique et horrifique de Horror FM, Pouille of Destruction, Crypt of Dr. Gore, Qu'est-ce Et Doc Poivre, donc deux, deux autres qui sont ici en ce moment. Euh, et aussi aller voir tous nos sponsors qui nous supportent. Tous les liens sont dans la description de la vidéo en ce moment. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, subscribe à notre chaîne, subscribe à toutes ces belles chaînes-là, ça coûte absolument rien. C'est du support gratuit pour toutes nous autres. Donc, allez faire ça dès cet instant et après ça, restez avec nous autres pour une belle, un bel épisode. Donc, on commence ça avec le premier groupe ce soir qui est c'est le ce non, c'est pas Metal Minded la foi. Non, <laughs> non, mauvais groupe. On n'est pas, pas là encore. Donc, tu le cadre <laughs> Qui ont existé de 2003-2005 et qui ont reparti en 2008 le projet. Classé dans le Mélodique Black Death Metal. Ils viennent de l'Allemagne ou, comme Doc Poivre dirait, de la Germanie. La fameuse. Euh, la, fameuse. la fameuse Germanie. Ils sont sur le label Napalm Records. Ils ont une discographie de un démo, cinquième full-length album pour eux. Les membres du groupe sont Stephen Coomer, qui est euh, vocal et guitare, euh, Erebor au drum, Mr. Delastic à la guitare et Carsten Shorn à la bass. Oui, oui, Mr. Delastic. J'ai jamais remarqué ça. C'est un beau nom à la guite. De son nom, Mariano D'Elastic. Ok, ok, c'est son vrai nom. Oui, c'est ça. Un, comme élastique un pour les cheveux ou pour la. Le... Non, D'Elastic. <laughs> L'album qui s'intitule Hail the Abyss, sorti le 19 mai 2023. 10 tracks mais 12 tracks techniquement parce qu'il y a deux lives mais moi je considère que c'est un 10 tracks parce que des tracks mm -hmm. live sur l'album ça compte hein? pas pas, pas bien bien euh, avec les 12 tracks ça monte à 59 minutes si tu les enlève, enlèves tu enlèves un petit peu plus que 10 minutes. Fait que c'est plus comme 48 minutes comme album. Le staff sur cet album donc recording engineering par Thomas Taube, photography par Gregor Golibowski. Artwork par Herbert Lochner, Recording Engineering par Stephen Comer, qui est dans le groupe, et mixing par nul autre que Dan Suano. Les versions sont Digital, CD Digipack, Vinyl Vinyl Limited et set Dual Vinyl Limited. Donc, pas trop de versions au moins, c'est juste est comme mode ah, et limited. Vous faudra même pas 52 couleurs du même vinyle. Et pour commencer cet épisode, on va y aller dans le même mode qu'on a commencé l'épisode. Félix, tu nous commences pour Tulcandra. Alright. Ben, Tulcandra, je pense c'est le premier band que je review pour une deuxième fois à Metal Minded. Parce qu'il me semble que ben, toi, tu nous dire, c'est des chiers d'albums que tu as. Que ben, C'est des, des groupes que tu as revisité, dans le fond. C'est oui. des albums que tu as peut-être en 2021 mm. et 2023. Mais tout le cadre, était là pour leur album précédent. Oui. Puis, de ce que je me rappelle, ils n'avaient pas fait une si bonne impression à cause qu'ils sonnaient juste bien trop comme dissection, Chris. Même leur artwork, un peu bleuté, le, le pattern de couleur bleu, grisâtre, un peu, c'était très Dissection. Puis, cet album-là, je trouve qu'il se compare mieux. Parce que c'est pas une copie conforme, right? C'est quand même dans, le, dans un style très mélodique. C'est ça, Black Death. Surtout, c'est Black moderne. Mm -hmm. Puis, je veux dire, les tunes sont très épiques. Tu sais, c'est du genre de comme film de guerre. Là, tu sais, puis ça fit avec euh, la pochette. Il y a du gars qui fait un wheelie sur son cheval. Puis Chris euh, Simon qui l'enlève juste quand, quand je dis ça. <laughs> un timing! <laughs> Timing, ouais, ça, 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 ça fait. Ok, tu regardes la pochette, puis ça ressemble pas mal à la musique que t'entends. Mais malheureusement, c'est ça. Même si c'est pas tout à fait encore, si pas tout à fait comme une copie conforme, qu'à chaque note, tu as l'impression que tu le quatrième album de Dissection, quoi, donc. Je veux dire, c'est quand même du réchauffé. C'est du stock que t'as entendu à peu près un million de fois. Qui s'écoute bien, tu sais, c'est pas comme s'il y a aucun moment de l'album, j'étais comme, est-ce que c'est dégueulasse, puis que j'aille ça, ou est-ce que c'est cheesy, puis que c'est corny, puis que genre, il aurait pas dû faire ça comme ça, il aurait dû le faire d'une autre façon, whatever. Comme, tout est bien fait. Il y a clairement un marché pour ça. Puis, je veux dire, le groupe, il roule, puis je veux dire, il fait des... Il joue dans des gros festivals en Europe, puis ce genre de shit-là. Mais c'est ça, C'est juste euh, c'est trop clean un peu. Comme je préfère mon black metal un peu plus euh, cru, un petit peu plus euh, dangereux, un petit peu plus comme atmosphérique ou euh, tu que sais quoi, que, genre, que genre, y évoque de quoi un peu plus que ça. Fait que c'est pas mal mon opinion de l'album pour pour commencer de même. Puis All right. On continue ça avec Doc Poivre. Je suis pas mal certain qu'il va être dans la même ligne que toi, parce que lui il aime son black metal un petit peu plus crasseux. Honnêtement, il a rejoint pas mal de points <laughs> que j'avais écrits, même au début-début. Mon, mon premier point-note, c'est pour commencer, grosse vibe à la dissection ici. Euh, comme te dis, peut-être peut un petit peu moins sur cet album-là. Euh, mais pas, même pas juste musicalement, mais aussi jusqu'à jusqu la pochette. Tu regardes la pochette de Storm of the Lights Bane de la Dissection, qui est leur oui. album, je pense, juste avant. Le, leur de, euh, comme leur dernier. C'est pas leur dernier. Avant dernier. <laughs> Puis, euh, on dirait presque même que c'est le même dude sur le, sur le même cheval qui est juste rendu à un endroit différent. Entre les deux albums, <laughs> le gars, il a comme voyagé d'album en album. Puis là, il est juste dans un setting différent. Le gars, il a pris la photo puis il est reparti à l'aventure. Fait que, tu sais, c'est juste comme, comme que, que Félix a dit, c'est juste que dans la pochette que tu vois l'inspiration, si on peut dire comme ça. Euh, c'est pas une mauvaise chose non plus. J'ai marqué, c'est du très bon mélodique. Eux, ils appelaient ça mélodique black death metal. Il euh, n'y a juste rien pour moi qui sort de l'ordinaire vraiment, par exemple, pour comme vraiment mettre cet album-là par-dessus d'autres albums-là. Euh, très belle production, ça sonne extrêmement bien, euh, un peu trop bien, un peu comme Félix se dit, des fois peut-être que ça sonne un peu trop bien, <laughs> parfois. Euh, J'aurais pris ça, mais aussi un petit peu plus sale, un petit peu plus comme cru, un peu plus raw. Euh, mais reste que c'est très très propre. Tu peux pas enlever le, le fait que c'est propre, c'est bien produit, puis c'est très très bien joué. On euh... va dire comme les Français, c'est propre et carré. Exact, exactement, <laughs> exactement. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais ce qui est peut-être pas une bonne chose non plus. Un genre de zone grise pour, ouais. pour moi là. Euh, Les riffs sont intéressants. Encore là, le côté mélodique de la chose des fois rend <laughs> ça un petit peu trop euh, easy listening. Exactement comme Félix disait, ça s'écoute bien, mais des fois peut-être un petit peu trop, peut-être trop bien. Euh, c'est très 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 co cookie cutter là, comme, comme formule, euh, un petit peu fromagé pour du black metal par bout, surtout dans les vocales. Des fois il va faire des petits euh, des petits euh, de vocales que t'es comme ok, c'est forcé peut-être un peu, mais ça, ça, fait, ça fait la job. Euh, une autre chose que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est les passages acoustiques que je m'attendais pas nécessairement. Fait que, tu sais, dans les premières écoutes, je me suis dit, ah, oh, OK, il y a quelque chose qui est, qui est un peu. <laughs> Stormy <laughs> of the Lights Bane. C'est affreux. <laughs> ah ben, qui a pensé à ça Félix. Félix. <laughs> ben non, c'est euh, euh, Jérôme G. et Saint-Cyr qui, euh, qui m'a donné l'idée. Puis moi, j'ai fait le <laughs> le MS Paint. <coughs> nice euh, C'est ça, j'ai trouvé ça bien amené. Euh, j'ai trouvé ça de bon goût, mais en même temps, je pourrais voir quelqu'un qui mette ça comme un point négatif. Moi, je pense que je, à ce moment-là, je trouve que ça fit juste bien. J'avais besoin d'un petit peu d'acoustique, peut-être de petits passages un peu plus calme Ça me fait du bien. Fallait que j'en parle. Euh, L'album dure quand même une heure. La version Spotify mm -hmm. avec les deux dernières chansons qui sont des lives, comme te dit à Écoute pas ça, ça sert pas. <laughs> Je l'ai écouté la première fois, puis après ça, j'étais fâché. J'étais comme j'ai écouté deux chansons pour rien. J'ai perdu le temps de ma vie. Surtout que le live, ouais, il sonne pas comme du live, honnêtement. T'as comme pas de mm. bruit de foule. As pas non, de... puis il amène pas Let rien me see de your hands de air! Non, c'est ça, on rien. dirait. Oh, c'est littéralement juste sorti de la console. Exact, c'est ça. Je oui. trouve que ça ajoute. Pas grand chose, puis c'est une écoute qui est quand même un peu longue. Là. Quand tu te retrouves justement avec des il y a certains passages qui s'étendent quand même pas mal. Déjà en partant, c'est ça, les lives, moi je les aurais, je les aurais enlevés, puis j'aurais même coupé, euh, euh, je couperais même un petit peu comme dans l'album, il y a comme un petit peu de gras je trouve, autour de l'album. Il, il y a certaines choses que, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être coupées, qui, qui passerait beaucoup le mieux. Monsieur sur cheval. Pas. Le, le monsieur <laughs> sur cheval, quand il a passé de dissection à tout le candera, il a pris un peu de gras. Exactement. Faudrait, faudrait il faudrait qu'il aille en diète un petit peu, le, cheval, le monsieur le cheval de tout le tendera. Fait que... Euh, faut que tu sais Je couperais... J'irais... J'amènerais tout ça à un temps EP peut-être pas. Mais il y, y a du petit gras à couper à gauche, à droite, je trouve, des fois, qui rendait ça un petit peu, là, ce qui faisait que ça s'étendait, peut-être okay. un peu trop. Mais overall, euh, j'ai fini, j'ai marqué une belle écoute. J'ai eu du fun avec l'album, j'ai bougé de la tête quand même pas mal. Belle petite découverte, mais c'est pas assez sim. Right. Fait que finalement le, le cheval c'est pas tant un welly qui fait, c'est qu'il souffre parce qu'il y a trop de gras, c'est de trop de gras. Puis il y a, <laughs> de, gras, <laughs> ça, y a de, ça de la misère combien d'années le pauvre. Il était sur l'autre ah, ouais. pochette de dissection avant, C'est là il, il est encore. en plus là, tu sais. Ben ah, non, oui, c'est sorti vieux, vieux, genre cheval. en 80 quoi, 95, <laughs> euh, ouais, pauvre cheval, Pauvre <laughs> cheval. cheval. Fait la que prochaine... Max oui hop oh, j'allais dire la prochaine pochette ça va, être le, ça va être lui mais ça va être l'emballage de sa viande de cheval à l'épicerie oh. ça va être la prochaine la prochaine wow, le... dark pochette d'album <laughs> ben, tout le cadre ils vont se mettre à faire du gore grind ça va être juste comme une photo de viande <laughs> sa couverture non mais j'avoue que c'est dark mais en même temps là on le sait que c'est du poivre noir puis pas du poivre rose qu'on a oh vas oh. oh. bon, max poivre. sur jogue cette belle c'est ch... nichandre c'est joke de poivre ok euh... <laughs> Sérieux, euh, c'est un running gag, ce band-là, par rapport au fait que c'est une copie de Taxation. Oui. C'est même, même pas drôle. C'est comme le premier album, t'es comme ah, « ok, le deuxième », mais là, c'est rendu au cinquième, t'es comme « ok ». Puis, je les ai vus live, euh, une couple de mois, ils, ils ouvraient pour euh, « Flèche Apocalypse » puis « Obscura ». T'avais Obscura puis Tolkandra sur le même bille. fait que tu avais le chanteur qui faisait deux sets à chaque soir. C'est quand même euh, une belle gymnastique, là, mais mm -hmm. euh, pour vrai. Il, y a, il pour était vrai. un après l'autre en plus. Consécutif. Non, non, il y, avait, euh, il y avait une pause entre les deux. OK. Il y toujours, avait un non, il y euh, avait juste une pause de trois heures entre les deux. Non, c'est ça. <laughs> mais pour vrai, tu sais, je connais Stéphane Comora pour Obscura, puis chez tu sais, comment il compose. Puis là, a... j'arrive avec ça, puis je comprends pas pourquoi il fait des compos de même. Mm. Tu sais, il est tellement capable d'être créatif, tu je sais bien que c'est pas un band de prog, tout le can puis peut-être que au contraire, il a le goût de faire d'autres choses, de vraiment plus, je vais appeler ça low en termes de composition, mais je comprends pas. C'est... C'est bien fait, mais calé c'est zéro original, là. J'ai pas eu de fun tant que ça. Moi, j'aurais voulu l'aimer, cet album-là. Puis je suis rentré là-dedans, j'ai écouté des tournes. Puis toutes les réactions, la seule réaction que j'avais, des fois, c'est... OK. OK, j'ai déjà entendu ça. Puis même, euh, Doc, tu disais, ah oui, les parties acoustiques, euh, ça, ça faisait du bien, mais ouais. dans la Disception, il y en avait aussi. Oui. Oui, que... oui, oui. Ouais. C'est repris de la formule. Euh... Ben, c'est trop. Tu sais, il y a vraiment un band peut s'inspirer. Dans notre band, parce que anyway, toutes les bandes s'inspirent des autres. C'est pas, euh, pas un secret. Là. Oui. Mais ça, c'est comme de la peinture à numéro. C'est vraiment Ah, OK, ils font ça, ça c'est cool, ça, on va le prendre. Ah, le on va le prendre aussi. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. J'aurais aimé ça qui qu me surprenne avec cet album-là. Puis qu'ils n'aillent pas dans les astuces même pattern qu'ont fait ces autres albums. Moi, j'ai pas vu de différence bien ben, avec les autres albums. Je n'ai pas vu une évolution tant que ça. Puis, euh, tu sais, ne sera pas dégueulasse parce que ça s'écoute bien pareil. C'est juste que si tu as déjà entendu d'autres bands dans ta vie, tu sais, que si tu as écouté de la musique pendant une couple d'années puis que tu es capable d'avoir un répertoire qui fait que tu as, as un peu de vécu, tu vas trouver ça peut-être un peu ordinaire. Si tu n'as jamais rien entendu, si tu tombes là-dessus, tu dis, hey, wow, c'est malade. Ouais. Mais non. non, Le commentaire à, jo euh, à Josie il est parfait. C'est tellement paid by numbers que je fais était déjà fait dans peinture. Oui, <laughs> <laughs> est bonne, Elle est très est bonne. C'est vraiment fait. parfait. Fait que, mais tu sais, c'est un minimum enjoyable, mais Christy, euh, si ça m'a si ça fait, fait chier un minimum là. Ça aurait pensé ses fesses en mausille, là. Ok. Euh, Jean Barque, regarde. Moi, je les avais découverts avec l'album 2021 que j'avais reviewé, que j'avais trouvé. Passable, on va dire comme ça. Puis celui-là me fait chier plus que l'autre. Pour moi, c'est un devolution total de ce que je m'attendais d'eux autres. Je trouvais même qu'il était peint by numbers, mais plus poche. Genre, on dirait que c'était comme là, on est vraiment pu inspiré. Tout est très. On fait la même affaire, on repeat, let's go, on écoute ça. Puis. Le vocal de cet album-là me faisait chier. Vous, ça m'étonne qu'il n'y ait pas personne qui n'a parlé. C'est-tu moi ou il est plaignard? On, On dirait qu'il se lamente de façon vraiment poche. Puis Je, toi, album... moi, j'ai juste mis qui vocal, j'ai juste mis qu'il est comme. Correct, correct, mais correct. il est comme... Il m'a pas impressionné, mais il m'a pas tanné. Je l'ai pas trouvé ben, comme, tannant, par exemple. On dirait y ouais, Max Pagé grade. a pas remarqué, parce que son, son mode par défaut, lui, c'est d'être plaignant. Fait que lui, il ben a oui. pas ben Oui, autres, plus. <laughs> je C'est égal. Ça. Mais, mais pour <laughs> vrai, j'ai trouvé ça très plaignant, puis on dirait qu'il essayait d'être plus planant dans son vocal, mais ça faisait un effet comme... waouh c'est plate ton affaire, man, <laughs> C'est gossant, là, puis ça me faisait chier, là. My God, je ai pas aimé ça. Tu sais, là, quand tu te forces tellement plus, tu on parlait, on venait sur le peinture un numéro, c'est que tu as fait ça l'album d'avant, puis tu le refais, mais tu t'es comme un peu tanné, puis tu, tu botches un peu, fait que tu dépasses même les lignes, tu sais. <laughs> genre. Mais comme Josie a dit dans le chat, vocal pour le genre, oui puis non. Je trouve que c'est un vocal très faible pour le genre. Il, il dit... manque de... Il y a, y a pas de... Il manque de guts, c'est ça. Il n'y a pas de volonté, on dirait, dans le vocal. On dirait quasiment que mm -hmm. c'est un album que le band a signé un contrat avec Napalm. Ils n'ont pas le choix de sortir tant d'albums par tant d'années. <laughs> puis cet album-là, il était obligé de sortir maintenant. Puis ça filait de même pour tout l'album au complet. Euh, il est long. Je veux dire, même sans les deux tracks de la fin, moi aussi, euh, Docteur, euh, je trouve qu'il aurait mérité d'un 10 minutes de moins encore. Tu sais, un 30. 9 minutes là, ouais. ça aurait été peine ouais, ouais, ouais. en masse. Parce que c'est de la répétition. Pour vrai, tu peux cliquer dans n'importe quel tour, n'importe où, puis tu vas tomber quasiment sur le même riff puis le même pattern C'est tout le long de l'album. Tu sais, là, des fois, tu écoutes l'album, tu écoutes un album, puis tu dis OK, juste pour me remettre un peu à l'oreille sais, avant le podcast. Ouais, tu sautes un petit peu pour poigner des bouts, puis c'est comme Ouais, OK. Ouais, ça c'est le cas. Ça même, même, même affaire tout le long, ça vient très plate. Euh, très linéaire très linéaire comme album ils ont essayé je sais pas quoi avec ça mais moi j'ai eu plein de la misère Puis de se dire dissection worship et de sortir cet album là je trouve ça honteux personnellement oh là c'est, tu y vas fort moi Yolin je, il m'a fait <laughs> non, chier pas cet fait. Album, il moi, moi il m'a fâché fait que c'est ça rendu au top track messieurs mais je, juste euh, dernier commentaire c'est ça ça manque de feeling c'est pas venu me chercher t'sais, des fois tu as des parts mélodiques dans la dissection tu es comme ah, tu, tu le sens là tu, oui. ça, ça, vient, ça vient chercher quelque chose là il y avait rien absolument exact. rien voilà c'est tout le dernier hommage que j'avais à faire vite, vite de contenu donc euh, <laughs> justement Josie qui dit finalement je suis trop fatigué pour continuer effectivement <laughs> Infuser votre musique de quelque chose de plus parce que en ce moment je trouve que tout est en train de ouais, puis, euh, pour ceux qui vont comprendre la référence, la vieille jument est pas ce qu'elle a déjà été. Ah ben Wow. <laughs> Félix, vas-y. Wow, plus Oh, qu'est-ce dit... <laughs> que c'est? Hey, Malade. Ça, c'est vraiment... beau, là. Ça, c'est bon, comme... très très ça, bien. Juste, large. juste ça, si l'album, je pense que j'y aurais eu comme une note plus haute. 1.5 de plus. Félix. J'ai l'impression que je suis le moins négatif de la game. <laughs> Même si. Attends, on, on verra avec la, la, la mm -hmm. conclusion. Euh, troisième, ce serait la deuxième tune Hail the Abyss, parce que comme Doc Poivre puis comme que I Am le mentionne, ça fait bouge, bouger la tête. Euh, deuxième, ce serait la quatrième qui est Velvet Damnation. Qui a une vibe extrêmement Dissection, mais disons-le, genre Dissection, c'est un groupe légendaire, autant pour son innovation que ses qualités intrinsèques. Fait que, le fait qu'il sonne comme Dissection, c'est pas nécessairement un tort en lui-même, parce que c'est quand même, ça peut quand même être de la Christie de bonne musique. Puis, elle, je trouvais qu'elle était cool parce que c'était une belle genre, alternance de mid-tempo, puis des blasts, mais avec beaucoup de mélodies en arrière. Je trouvais ça très cool. Puis la, cinqui... puis, la première, ce serait la cinquième qui, elle, justement, personne ne l'a mentionné. Elle, elle sort du lot vraiment beaucoup parce que c'est une tune avec une vibe beaucoup plus comme punk, trash, black, comme que Satyricon faisait à l'époque de... Quoi, c'est à... Quand ils, sont... ils ont à leur cinquième, sixième, septième album, qui n'est pas le Satyricon que j'aime personnellement, mais c'est quand même... Tu sais, il y a comme une tune Fuel for Hatred qui sonnait mm -hmm. vraiment, vraiment beaucoup comme ça. Puis c'est ça, même si... Ouais, en fait, c'est... C'est de quoi qui sonnait différent de qu est ce qu'ils font d'habitude. C'était une tune très très cool que, que je trouve en plein milieu de l'album à, à change un peu la monotonie du reste. All right. Hey, euh, t'as emmené ta gang parce que t'as pas fait de stream lundi, doc, il euh, y a Matt Saviors qui est là aussi dans le chat. Hé, hey, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Doc, Donc, il amène sa gang. Doc, Doc, il amène sa gang de Ruelle J'ai fait de la promo dans ruelle. J'ai mis des affiches dans ruelle pour dire, là, mercredi, n'oubliez pas, là, je suis à Mind Minded. Mais tu peux aussi écrire, soyez toujours aussi à Metal Minded, même quand je suis pas là. Même quand il n'est pas là. Aussi, aussi, c'est vrai. Faites ça, faites ça, gang. Faites, faites ça, gang okay. de ruelles. <laughs> gang de Ruelle J'aime ça. Donc, euh, docteur, à toi d'embarquer euh, sur... Euh... Mon top twack. T'es top twack. puis ça, le ça le a resté, trois. hein? Depuis que tu as dit ça, là, On le fait à <laughs> tous les épisodes de Star là. Ouais. À Chaque fois que je l'écoute, ça arrive au top twack. Puis là, vous dites top twack. Puis je suis comme, oh, oh ah, il y, y, y a le top trois aussi. Le, le top, top trois. Ben, Ça, ça c'est la, la troisième, mon top 3 de la top twack. C'est In the Eyes of uh, Evan, la, pre la première chanson. Mm -hmm. La deuxième, j'ai mis uh, The Final Closure. Que je considère comme étant la fin de l'album parce que les tunes live, on s'en fout. Euh, nice nice uh, chanson, Closure. closure. Quand, quand ça arrivait à celle-là, je trouve qu'il y a une nice vibe. C'était le, le fun à écouter. Je trouvais que ça fermait bien l'album. Ça donnait un petit peu le goût de la, de la recommencer aussi. Là. Puis la Mais première, j'ai mis. Fais-le euh... pas, recommence-le pas. Là, ça fait... <rire> <rire> ouais, quand t'es review, t'as pas le choix. Faut que je l'écoute plus qu'une fois. Oui. Puis euh, la première, j'ai mis Velvet uh, Damnation, la quatrième, euh, quatrième chanson. All right, euh, Max. OK. Euh, c'est drôle parce que on, on dock pas partout à date. Euh, ma troisième, c'est Blood of the Slaves, la huitième. Ma deuxième, c'est El the Abyss, la deuxième. Puis moi, ma préférée, c'était la septième, As I Walk Through the Gateway. OK. Mais moi plutôt on va docker plus qu'avec tout le monde. OK. okay. On est <laughs> deux dans le main, dans le même top. Okay. Fait que mon mood de gars frustré est le même que le tien. <laughs> fait que moi, en, en, en top 3, j'ai mis en troisième position la numéro 1 in the Eye of Heaven. Euh, en deuxième position, j'ai mis la deuxième, Hail the Abyss. Et en première position, moi j'ai mis la huitième, Blood of Slaves. Il n'y a personne juste... qui l'a aimé, écoutez, on the Wings of Cosmic Fire. Pas nope. ça. Moi, moi je nope. la trouvais, trouvais weird dans l'album. Moi, je trouvais qu'elle cliquait pas avec l'album. Pis tu sais, tu dis, ah, oh, vente fraîcheur. Non. Okay. Suis... <laughs> non. T'élabores pas, t'es juste non. Non. <laughs> non. Je, je trouvais qu'elle clashait trop avec l'album, que ça coupait comme en deux morceaux, puis qu'après ça, t'étais pris deux morceaux séparés, qui auraient pu être juste deux EP euh, rendus là, là. Fuck it. <laughs> Fair. Je l'ai juste regardé individuellement, comme isolé oui, direct. Bien, je comprends. Puis tu as le droit d'avoir une opinion de marde, c'est correct. Je t'aime quand même. <laughs> <laughs> Félix, ta note pour l'album. C'est pas mal dans le territoire du comme 6.5. C'est le fait qu'il sonne vraiment comme un autre groupe. Vous vous rappelez, il voilà y un mois environ quand j'ai reviewé Lamp of Murmur qui est comme. Oui. Une copie ben, conforme, ben, ben, c'est ben, le beat ben, track ben, de Matt, ben, ben. the Heart of Winter, The Immortal, mais j'y avais donné un 9,5. genre, hein? tu sais, avec l'album, il m'avait fait comme capoter, il m'avait ouais, ben, fait vraiment Moi aussi, j'avais aimé ça. Ben, en tout cas, puis il y avait un paquet de monde ici qui l'avait pas aimé, qui ont des goûts de merde. Pas, mais tout le candra c'est ça, même si c'est pas nécessairement le fait qu'il ressemble trop à un groupe établi, c'est le fait que c'est un peu monotone. C'est comme que Félix Vallière il a dit, j'ai vu son commentaire passer, je ne peux pas le relire, mais il avait dit de quoi de genre, euh, « C'est pas très original, mais c'est efficace. » Comme toutes les phrases avec une conjonction d'opposition, tu peux flipper, puis tu peux dire, « C'est efficace, mais ça manque beaucoup d'originalité. Mmh, » Et d'ailleurs, une, une, une petite question, Max Pagé, euh, il était comment un hein, show? J'imagine il était correct c'était bien right. non 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 c'était bien il euh, y avait il y avait quatre bands il y avait eux autres euh, Wolfheart que j'appelle pet de laine parce que ça me fait rire, euh... <rire> Obscura puis euh, Flashgat puis euh, j'ai ai, bien aimé pas mal toutes les bands et ai plus aimé, moi je pensais mais plus Wolfheart que, que tout le candombe mais c'était le contraire live okay. c'était c'est bien bon c'était il y avait plus de hope, puis ça punchait plus en live. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas joué juste du nouveau stock, fait que ça... Ouais, c'est ça, quand tu Happy. joues ton best-of. Non, <laughs> ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait des tonnes des premiers albums. Ils live, ils font de tu albums. Un cover, live, ils font-tu un cover de Dissection? <rire> non. <rire> <rire> live, ils ça, font juste pense... des covers de Dissection. Ah, oui, <laughs> c'est ça! ça. Ah, ah. Je pense que ça euh, passerait pas pour vrai. S'ils faisaient ça, le monde ferait comme « Hey, fuck you ». Tu pousses la joke, tu pousses la joke hein. un peu trop hey, mais j'aimerais ça voir ça. »« genre T'arrives pour voir un band, tu veux entendre les tunes tout... ?»« Non, ils font des covers d'un autre band tout le long. » Oh, non, non. C'est <laughs> comme jeux, ça dans ceux, Line, là Ils ont trop de covers, <laughs> là. » Ben, c'est comme, ouais. un, un, comme un band que j'ai vu live en Chine, que la moitié de leur set, c'est des covers de Motorhead, puis l'autre moitié, c'est des tunes originales, mais qui sonnent exactement comme du Motorhead. Ouais. <laughs> mais tu sais, je pense que ça peut, euh, peut s'excuser quand t'es un band qui commence, qui a pas beaucoup de compos. T'sais, tu mets des covers pour attirer la sympathie du public. Ben, c'est ça, mais... puis je veux dire, le band, c'était clair qu'ils faisaient ça, comme par exprès aussi. Là. Si ils oh, faisaient right. ça, c'était leur vibe. puis, euh, tu, vois, euh, tu vois, Max Roland, il est au même choix que moi. Puis lui aussi, il, il a préféré, il a préféré, préféré. le cadre à Pet de laine. Parfait, ça. <laughs> Donc, ils avaient tous appeler ça Pet de laine, ma la Pet de laine. Garantie. Pas le de, choix. Doc Poivre, ta note. Euh, moi, j'ai donné, à l'origine, durant mes, mes 3-4 premières écoutes, j'hésitais à un 6, un 6.5. Quand j'ai avancé dans mes écoutes, le manque d'originalité a fait perdre des points. Fait que je suis tombé sur un 5.5. 5.5 parce que, comme j'ai dit, ça s'écoute bien, mais c'est easy listening. C'est un petit peu trop long. Puis euh, c'est tellement inspiré <laughs> de Dissection qu'une ben, vous écoutez écouter Dissection au pire. Voler. Euh, c'est ça. Emprunté. <laughs> <petit peu> inspiré. <laughs> fait que tu es rendu là... Ben, <laughs> Va, va écouter l'album où le cheval était plus jeune. Mais... C'est <laughs> bon 5, ça, 5, 5. va écouter l'album avec le cheval plus jeune. waouh j'aime ça. 5.5. Qui, qui, qui aurait pu aller sur le 6, mais ça va rester un 5.5. Ok. Max? Ben, moi j'ai donné un 7. Euh, malgré le fait que c'est zéro inspirant, tu sais, ça s'écoutait bien. Là. Je ne peux pas dire que c'était dégueulasse. C'est juste que moi, je suis juste chialé. Puis c'est ça. Fait que je donne un Mais t'es bon là-dedans. On t'invite juste pour avoir ce segment de chirolage. Ouais, ouais, je sais, je sais. Je suis ceinture noire. Là, malade. Non, euh, pour ma le, part, J'allais oui. dire c'est la seule discipline que je peux sacrer une volée à Félix. Wow. Pour le reste, je, 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 je suis vu une volée. <laughs> euh, pour ma part, euh, c'était 6.5 ou 6. Ça finit à 6, je pense. Parce que vraiment, ça passe parce que musicalement, c'est quelque chose que je trouve plaisant. J'aime Dice Action. J'aime ce style-là. Je déteste le manque d'originalité. Je trouve le chanteur paresseux sur cet album-là. Extrêmement paresseux. Puis je trouve que les compositions sont aussi très paresseuses. Euh, je trouve que c'est un produit mal complété, mal fini. Même mmh. si la prod est belle, le reste, c'est beau. On dirait qu'il manque de finition. Mais c'est même pas finition, le mot cherche. C'est genre, il manque de, 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 de genre, idée originale pour compléter la beauté d'un style comme ça. Tu sais, on dirait mm -hmm. vraiment que c'est comme, il manque d'infusion de quelques éléments que le groupe est capable d'apporter. sérieusement, un 6, ça passe juste, juste à l'école. Puis, je, je le réécouterai pas. Si je veux l'écouter, si je, je vais l'écouter Dice section. Ouais, c'est euh... weird quand même que c'est moi le chialot de service, mais c'est moi qui ai la plus haute note. <laughs> ouais. Ben moi, c'est un 6.57. C'était dans, dans le même Brackets fort ouais 6.5 fort, Inspiré. Mais j'ai pensé à donner un 6.66, mais ils ne sont pas assez comme sataniques, nope. classiques ah, non, ça. Non, non, ça marche pas. Dice Action était très satanique, par exemple. <laughs> Il un peu trop, hein. Euh, 30... Un peu trop, oui. 30... 37 le... minutes, juste un album. C'est être... correct. Oh, il va. Mais, On continue. Mais, oui. mais je, juste, euh, dernier commentaire, là. Qu'est-ce qui était cool avec Dissection? C'est que. They went out with a bang. Oh, Lord. All right. Oh. Bye. Démonétisation. Bye. <laughs> je vais ouvrir hein? ma deuxième bière. Hey, ça a été tellement long que j'ai le temps de m'ouvrir une deuxième bière sur une deuxième bande. Ben ouais, moi, je sirote la mienne. Là. Je me dis, on va -tu commencer le deuxième album. Il ne m'en reste plus beaucoup. Fait que ça, <laughs> c'est la brasserie Perspective. C'est oh. hyper grave. Une pale ale au Motsueka, Citra et Lime. J'ai crissement soif de cette bière-là. Je l'attends. On y va avec le prochain groupe est le groupe Cloak. Cloak qui existe depuis 2013, classé dans le gothique black metal. On va On, a... On va en reparler tantôt. Mm. C'est ça. Euh, ils viennent des États-Unis, sont sur Season of Mist Records. Disque... Hey, J'essaie de verser ma bière en même temps, c'est fantastique. <laughs> sont euh... <laughs> multitask. <laughs> euh, Discographie, un démo, deux EP, trois full length. Ça, c'est l'autre élément qui a toujours resté. George a dit full length une fois. Puis c'est fini. Full length a resté pour toujours. Donc, euh les Georges morts... ou JP, je ne me souviens plus. Euh, Peut-être les deux. <laughs> Ouais, c'est les deux qui étaient là, puis ouais. moi j'étais dans le chat, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Full length. puis depuis ça, c'est resté. Ouais. Ouais. Fait que les membres du groupe Drum Sean Bruno à la guitare, Max Brigham, et euh, Vocal, Scott Taysom et Bass par Billy Robinson. L'album qui s'intitule Black Flame Eternal, sorti le 26 mai 2023, neuf tracks pour 49 minutes 35. Le staff sur cet album, artwork par Artem Grigoriev, cover art par Jordan Barlow, design par Contamination Design. Je n'ai pas le reste du staff. Euh, les versions <laughs> digital CD et quatre versions dual vinyl, couleurs différentes. On dirait que tu as perdu la motivation pendant que tu te disais, ah, j'ai pas le reste, fuck off. <laughs> non, j'ai pas perdu la motivation, je l'avais juste pas. <laughs> ah, ben voilà. <what? rire> Donc, euh, on est rendu à la review et c'est au tour de Dr. Poivre de commencer. C'est à mon tour. Cloak, c'est un band que j'avais entendu parler pas mal quand il avait sorti leur album précédent -hmm. The Burning Down, mais j'ai jamais pris le temps. D'aller l'écouter. <laughs> fait que j'étais content de voir qu'il avait sorti euh, un nouvel album, puis qu'en plus il était au reviews, parce que ça m'a donné une, comme une raison de passer du temps sur, euh, sur l'album. Euh, C'est un album qui était assez difficile à reviewer pour moi, parce que les... ça a les bases d'un album qui sont vraiment solides, mais il manque, on dirait, un petit quelque chose pour vraiment me faire triper à 100%. Euh, C'est pas des jokes. De, de toute la semaine, j'ai pas mis le doigt sur qu'est-ce qui manquait. J'essayais, je l'écoutais en, en boucle et tout ça. J au de la moins misère. 50 fois, hein? au moins. 53 pour être exact. Je ouais. <laughs> je sais, t'as ce nombre de temps-là, toi, dans pas, la vie. Pas, 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 50, <laughs> pas 53, mais quand même beaucoup plus que. Beaucoup plus qu'une fois, puis à chaque fois je me disais, on dirait qu'il manque de quoi. Il y a... Je sais pas si c'est quelque chose qui me gosse ou qu'il y a quelque chose qui me manque. Puis je mettais pas le doigt, puis j'ai jamais mis le doigt <laughs> dessus finalement. Euh... Ouais, mais t'as un <laughs> doigt croche! Le <laughs> doigt est... comme ça, <laughs> Il est pas pire mon doigt. Ben regarde, il peut être droit, mais je peux aller là. Il est comme hyper flexible, t es hyper flexible, Coco écoute les pas, écoute les pas, reste, reste, <laughs> sur, reste sur les ponts de la papa. Bon. Oh, <laughs> j'aime ça. C'est <laughs> fantastique. Il y a des riffs, euh, il y a des riff qui sont intéressants, la vibe est là, mais on dirait que euh, ici et là, je me perdais pendant l'écoute des fois de l'album, par petits moments de genre écouter deux trois chansons, faire une pause. Mettons, j'écoute deux trois chansons en travaillant, je fais une pause quelqu'un vient me parler, je repars l'album, ça passait bien, mais L'écouter comme on dirait en, en un bloc, on dirait que je, je décrochais, j'avais de la misère à rester comme investi vraiment là, durant l'album. Euh, un des points forts par, par exemple sur l'album pour moi, euh, c'est le drum. Il y a du blast beat qui est propre, le drum feel est vraiment bien. Quand les passages, je trouve de, de guitare ou de chant, des fois sont un peu plus relax pour res, laisser respirer l'ensemble. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, puis il faisait pas, je trouve qu'il faisait pas juste des fils pour dire qu'il fait des fils. Il faisait des fils qui étaient intéressants à, à écouter. Pourtant, Phil n'est euh... pas ici ce soir. <laughs> ouais, puis il a rempli quelque chose de plus gros que ça. Ah oh, oh, non, tam pas... oh misère. Une minute de silence pour ce qu'il a rempli. <laughs> <laughs> fait j'ai honnêtement oh, un, un peu <laughs> été un, un peu triste de, de voir sur Metal Archive que le drummer avait pas d'autres projets métal qui étaient réper, répertoriés j'étais vraiment vraiment curieux de voir s'il avait travaillé sur d'autres euh, projets mais, il y a une autre, euh, un autre band il, ouais, il Archive, y a une autre band mais c'est qui est pas, pas sur Metal il ouais. ouais, pas sur euh, Metal euh, Archive euh, c'est ça que je me disais t'sais, des t'sais, des fois ils ont trois quatre autres bands on the side fait, c'est cool si je joue du drum dans d'autres groupes. Puis là, euh, celui-là, je n'ai pas été voir euh, encore. S'il était sur Metal Archive, ça aurait été plus vite. Là. Mais, euh, ouais, non, c'est ça. Je, je trouvais ça. J'étais curieux. J'étais comme surpris de voir qu'il n'y avait rien d'autre de répertorié à son nom. Là. Puis, euh, sinon, j'ai noté belle production. Encore une fois, ça sonne assez grandiose. Ça sonne propre. Euh. euh comme l'intro de la cinquième chanson, euh, Seven Thunders, qui pourrait être un, un OST de jeu ou de film, je trouve, l'intro. L'espèce de vibe que, que ça a. Oh, c'est quand même cool parce que c'est pas quelque chose que t'as partout, là, sur, sur tout, tout, tout l'album. Fait que. Ça a été overall un écoute intéressant pour moi cette semaine. Euh, ça réinvente pas la roue. Comme on a dit, un peu comme l'album précédent. L'album précédent, c'était très inspiré. Cela, c'est pas nécessairement inspiré, mais ça réinvente rien, mais c'est euh, très bien, c'est agréable à écouter. Bon, euh, bon, euh, bon, petit moment, bon petit moment. OK. Max, qu'est-ce que tu as à dire là euh, Moi, j'ai adoré ça. Pour vrai, euh, le côté, tu sais, ils appellent ça gothique black metal. C'est parce que ce band-là, c'est un band qui est américain, qui a une sonorité très européenne, mais pour moi, c'est comme le mélange parfait entre watain » Tribulation. Je peux ils sont, voir. Ils sont deux bennes suédois en plus. Mm. Euh... Bon. J'aime oh. <laughs> qu'il a fait le mime en live ouais. sur un bout de papier. Fait que dans le fond, depuis tantôt, il nous écoute pas, il dessine. <laughs> il dessine mon doigt depuis tantôt. Mon ben doigt il oui. est hyper flexible. <laughs> Le doigt. Il est comme hey. je suis pas capable de mettre le doigt dessus. <laughs> il est où Il oh, est trop ah. craque! Max Pagé, non. Max Pagé, non, non, non. Hey, hey doc, doc, Continue ton Pe point. Peu importe ce qu'ils vont dire là, t'as le doigt, ok <laughs> T'as le doigt. Je t'ai dit non. J'ai le doigt. Oh, c'est ah, quel doigt je, oh, je, 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 je le sais, Félix, tu le voyais venir. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé. Tu Mais, voyais venir son doigt. Vas-y. Je voyais venir son doigt. <laughs> Euh, pour moi, là, c'est comme la balance parfaite entre le black metal et une ambiance gothique creepy, un peu vampiresque. J'ai vraiment trouvé ça cool. Si hey, je suppose, le début de the Holy Dark, là, on dirait Overkill de Motorhead. C'est pareil. Puis à un moment donné, ah. ça vire, là, mais le début de drum, c'est identique. Ah, Je ne l'ai pas pogné. Je vais aller voir quelle chanson. Tu... Euh, the Holy Dark. J'aime ça que, que euh, Félix est aux épisodes parce que quand, quand quelqu'un dit quelque chose qu'il n'a pas remarqué, il fait toujours comme, ça, comme un chien. Genre il fait comme... <rire> <rire> Puis il le fait vraiment. Mm -hmm. C'est vraiment parfait. Il habite trop avec son chien qui prend les habitudes de son chien, genre, in real life. Ah <laughs> oh, oui, oui. Le, son, euh, chien tu... dents, est... <laughs> son chien Meshuga avec les dents. Son chien Meshuga. Ça, ce serait un cool nom pour le chien. Il l'appelle Meshuga. <laughs> Ménigas. Minique. All right, continue Max. Oui, oui, oui. On est, on est les... terrible ce soir. Oui, oui. Les ambiances sont vraiment bien faites. Euh, c'est super mélodique, mais c'est pas parce que c'est super mélodique que ça ne rentre pas dedans. Pas... Ce pas. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans Toulkandra C'est le côté evil, un peu de black metal. Puis là-dedans, il y en avait beaucoup plus. Euh, honnêtement, j'ai eu de la à faire mon top track parce que je l'écoutais, je faisais mon top track. Je le réécoutais, je le changeais. Je le réécoutais, je le changeais encore. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé sur l'album. Peut-être la toune un peu plus acoustique, la huitième à Heavenless, j'aurais aimé ça qu'elle travaille un peu plus. J'aurais aimé ça que ça... A... À, hein? à la, à ouais, c'est ça. C'est le seul point négatif que j'ai de cet album-là. Le vocal, je l'ai trouvé vraiment nice. Il est vraiment raspy. Il, il fitait parfaitement avec la musique. Sérieux! Ça va peut-être finir dans mon top 2023. J'ai vraiment aimé ça. Nice. Puis j'ai vu live euh, en période, partie de 1349 avant la pandémie. C'était très cool aussi. C'est la seule <laughs> fois qu'ils sont venus à Montréal. Là. OK. Ben, regarde, euh, pour ma part, je te join, Max. J'ai eu du fun. Je pensais pas avoir du fun avec ce groupe-là. Je ne m'attendais absolument rien. Puis, plus j'écoutais l'album, plus j'essayais de mettre mon doigt dessus. Moi, il est droit, mon doigt. Ouais, fait que tu, toi, tu l'as pointé. J'ai réussi à mettre mon doigt dessus. <laughs> c'est ton, ton aisselle qui n'est pas droite, c'est ça? C'est ça, mon aisselle, oh. elle n'est vraiment pas droite et elle est très pamplemousse. Elle euh, euh, concave ou oui, convexe. Est <laughs> convexe. Fait pour vrai, euh, j'ai mis le doigt dessus à un moment donné. En écoutant ça, j'ai réalisé que ça me faisait penser comme si le chanteur de Revocation avait décidé de faire du black metal. Ah ouais. J'avais une vibe David Davidson au bout, genre, dans l'album. Puis là, je l'ai réécouté, puis je suis comme « Oh my God! J'entends vraiment juste ce gars-là. » Ça avait un blend de, de, de genre la vibe vocale Revocation avec ce que j'aurais voulu entendre de Tulkandra, un bon dissection worship qui est pas un copier-coller. qui est juste, j'ai aimé les riffs, j'ai aimé le style, je le fais à ma façon. Ouais, mais ouais. je veux te dire, si tu écoutais Tribulation, là, tu ferais le vocal, il est quasi identique. J'en ai écouté, puis j'ai pas aimé ah ouais? Tribulation. J'ai je... même déjà reviewé. Okay. Mais le vocal, du moins, je trouve qu'il est très, il est similaire au niveau du, du ton. Je ne ra m'en rappelle pas. notre connais. Fait que pour vrai, j'ai eu une vibe Revocation dans, sa, dans, dans, dans son style vocal. Puis là, plus j'écoutais, je, je me suis oh les fuck, j'entends vraiment ça. Puis là, je trippais. Euh, ce qui est cool de l'album, c'est que les constructions de chansons sont très complexes quand même. Ça varie énormément, ça se promène de style en style. Ça veut embrasser plein d'affaires. Puis c'est bien construit. Mm -hmm. Genre, tout fit, tout est important. C'est ce que j'ai remarqué. Chaque élément apporte quelque chose, puis il n'y a pas de fluff. Puis tu l'as mentionné, le, la seule affaire qu'ils ont mal faite, c'est la petite acoustique de trois minutes qui n'apportait rien. Mais mal faite, c'est un grand mot. Fait ça s'écoute, là. C'est juste que ça, ça. ça aboutit pas. Ça aurait été mieux que si ça avait été. Euh, il y avait eu un climax dans tout, ça aurait été nice. Mais on aurait dit que c'est comme une interlude qui n'était pas nécessaire. Puis elle était comme loin un peu... Il euh, me semble qu'il aurait pu faire mieux pour ça, mais c'est leur choix rendu là. Mm -hmm. euh, pour vrai, ça a été une découverte pour moi. Ça a été vraiment, vraiment le fun mes écoutes de ça. Puis euh, c'était de la bonne musique de vélo vite. <laughs> c'était très entraînant comme musique, c'était très le fun. J'avais beaucoup de plaisir à écouter ça. Puis à toutes les fois je l'écoutais, je décortiquais des éléments différents. Fait que, je veux dire, c'est quelque chose que c'est pas un, c'est même pas un deux, trois écoutes qui va te l'amener. Je pense que plus loin, tu vas être capable encore plus d'aller chercher des éléments que t'aimes ou que t'aimes moins, tout dépendant. Fait que, à découvrir vraiment. Puis à ne pas juger par la première écoute, d'après moi. Puis pour vrai, là, écoute l'album d'avant, euh, Doc en a parlé de Burning Down, il est vraiment cool cet album-là aussi. Pis, okay. pour, si j'avais fait le. le Metal Minded avait existé à l'époque, ça aurait été dans mes pochettes de l'année. Pour ouais. euh, Burning Down est vraiment belle. Là. Mais tu sais, je vais le dire, comme je l'ai dit dans l'autre épisode de Review, à toutes les fois, je dis Ah, je vais aller écouter leur backlog, j'ai pas le temps. J'irai jamais écouter leur bac, là, <laughs> tristement. <rire> Chris, oui, on une, albums, chanson. Mais... une chanson. J'irai même pas le faire. Il je... faut falloir que, genre, un soir, quand on va chiller tous ensemble, fait Hey, Yolin, Chris, Cloak, <laughs> Burning Dawn On l'écoute. <laughs> Parfait, je vais l'écouter avec vous autres. Mais c'est vrai ce que tu as euh... dit au niveau, euh, au niveau de l'écoute, moi aussi. Au début des écoutes, ma note que je figurais à peu près dans ma tête, elle a changé puis elle a monté avec le nombre d'écoutes parce qu'il y, y a tout le temps des petits trucs, on dirait que tu découvres que tu n'entends pas de la même façon. J'ai eu le même, même, même feeling euh, que toi, même ma note, c'est ça. Elle a monté avec, à travers les écoutes. Elle aurait été pas mal plus basse si euh, tu m'avais demandé de mettre une note après juste ma première ou ma deuxième écoute. Là. Parfait, ça. et hey, on continue ça. Félix, embarque ouais. dans, dans le bal. Euh, plus ça va, même, plus que je trouve ça genre difficile de comme prédire quelle, quelle note que tu vas y donner ou quelle genre, opinion que tu vas avoir parce que je ne penserais pas que tu aimerais ça, Yolin. Sérieusement. Moi non plus, je pensais pas que j'allais aimer ça. Que ben, personnellement, ah. moi, c'est ça, c'est du Black moderne. On est rendu à quelle vague de Black? Il y avait la première, la, la deuxième, il y a, y a la du monde qui e que comme Wolves in the Throne Room, ils ont comme commencé la troisième vague avec le Black Cascadier américain, whatever. C'est du black metal de cette décennie des années 2000. C'est très moderne, c'est très liché, c'est très clean. Donc, un peu comme tout le candras, je, je, je préférais qu'il y ait plus de, de méchants, plus de evil. Puis c'est Max il a parlé, il y a. Il y a comme quand même tu sais, du evil puis du creepy. Euh, je vais en reparler sous peu. Je veux dire, c'est digeste, c'est écoutable. Tu n'as pas besoin d'être dans un mood particulier pour écouter ce genre de black metal moderne là. Je trouve que ça fait juste un peu trop comme template, personnellement. Tu sais, c'est ça, il manque le, le côté tu sais, crasseux ou le côté brutal ou le côté comme claustrophobe ou whatever des, des autres styles de, de black que je préfère. Puis, quand on parle de comme gothique black au début, comme quand j'ai vu le mot gothique, j'étais comme ouh parce que c'est pas de quoi qui m'évoque. tout ce, qui, ce que j'ai écouté qui est musique gothique, qui est comme pas, est pas du métal, c'est genre adjacent, c'est même pas du rock vraiment, right? La musique gothique des années comme 80, c'est les Allemands sous de Sado Mazo qui font des espèces de musique comme un peu industrielle. <laughs> c'est euh, ça, t es, t es, t es comme pas bien comme quand tu regardes leur, leur esthétique puis quand tu écoutes leur musique. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on peut décrire, comme qu'est-ce que qui font, mais j'ai l'impression que la première moitié de l'album est plus black by the number. La deuxième moitié, c'est là qu'ils amènent plus d'éléments comme un peu creepo comme ça. Je ne sais pas si c'est le si même que ceux qui l'ont écouté beaucoup plus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Tout comme une mes sont dans le plein milieu de l'album. Ouais, ben moi aussi, moi je trouvais que c'était assez <laughs> uniforme en général. Ah. <laughs> Ok, ben, parce que moi c'est plus la, la deuxième moitié qu'ils amènent ces espèces d'éléments là où ce que perso j'ai pas j pas tripé sur ces éléments un peu comme adjacents à black comme ça tu comme c'est les bouts de ce qui chuchote dans son micro ça me faisait penser à comme un speech de Joe Biden puis j'étais juste comme non c'est weird comme qu'est-ce que tu fais genre <laughs> puis genre l'atmosphère qu'il amenait tu sais pour en écouter un tabarnak du black metal où ce qu'il va y des des atmosphères très comme Folklorique, forestière, montagne, où il y a même un sous-genre de black, que c'est comme du black cosmique ou du space black metal, Tu as vraiment comme l'impression que tu es genre de, dans l'espace. Il y a même du black metal océanique, pas tant de choses. Fait que, il y a moyen d'apporter des, des, des ambiances intéressantes dans du black metal, mais je trouvais que Cloak, ça ne fonctionnait pas tout à fait. Je trouvais qu'il était juste à leur meilleur quand ils faisaient juste jouer juste des riffs, puis des beats, puis juste de la musique un peu comme, c'est ça, template black metal moderne. Personnellement, ouais, je n'ai pas trouvé ça si... Mais à force de vous écouter en parler, puis euh, des fois, je, je vais en checker des back catalogues comme Quand j'y pense ou whatever. Puis si vous recommandez euh, l'album précédent, je vais peut-être aller checker ou je vais peut-être même le réécouter lui. Parce que, comme je dis, j'ai n'ai pas détesté ça ou rien. Tu sais, à aucun moment, j'étais comme un de la crise de merde et que j'aimerais ça être ailleurs, comme <coughs> certains albums la semaine passée. <coughs> que il, se que, il se pourrait que j'aille le réécouter juste pour voir où est le FOSS, comme on dit, what the FOSS is about. Où est le FOSS? Oh my ouais. god. Euh, Qu'est-ce que le FOSS est à propos? <laughs> « De, Elle... de qu qu'est-ce qu qu que, que le fos? »« De qu'est-ce que le fos? »« Qu'est-ce que le Le c'est que je suis sûr qu'il y fait? a des styles <laughs> zoomers <laughs> à Montréal avec leurs coupes de cheveux brocoli et leurs veines qui parlent comme ça pour de vraies <laughs> sans ironie. Ça me désole tellement. Dans le fond, je n'ai pas hâte de retourner au Québec. Je pense que je vais en casser mon billet d'avion. Je vais <laughs> ah, Félix, Félix, avec cet album-là, c'est « Qu'est-ce que le fos il fait? <laughs> » <laughs> Qu'est-ce qu'il c'est fait le fos Ça, c'est bon. C'est bon. Donc, on va avec nos top twacks. Top twacks. Vas-y, Doc. La troisième, pour moi, c'est la neuvième J'ai pas compris, la quoi Ma troisième twack de ma top twack, c'est Black Flame. Black Flame Eternal, la neuvième. Ma deuxième top twack, c'est Seven Thunders, la cinquième. Puis euh, ma top 1, c'est Furry and Allegiance, la chanson numéro 2 de l'album. Oh, un right. duck? Sur laquelle? Il y a de l'air de double duck. Ben on... Double on... doc? Mais que, je... Mais que je fasse ma liste, tu verras. Tu duck avec mon doigt croche. Non, c'est un double doc, Ouais. T'as un peu aussi. <laughs> Faut que tu twist un peu. Faut que tu viennes me pogner ici. Félix, il est là. J'essaie de te pogner, puis là, je suis là. J'essaie, moi aussi. C'est pas facile. À mettre le doigt dessus, right? <laughs> On a des difficultés. <laughs> oh, God! C'est bien fantastique. Donc, du maximum à ma <coughs> uh, garde, je Regarde, j'ai une side track euh, en partant j'ai Black Flame Eternal, la neuvième. Astor euh, ma troisième, la numéro un, Ethereal Fire. Euh, ma deuxième, la cinquième, Seven Thunders, puis ma préférée, c'était vraiment la sixième, Eye of the Abyss. All right. Mais, ma... peut... Mais je peux le réécouter, puis je peux à changer mon top track encore. Fait que ouais, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album, j'avais du plaisir un petit peu all around, partout. Comme, comme des Stormtroopers, puis le doigt à Doc. Ouais. <laughs> Donc, <laughs> en troisième position, j'ai mis la 5, Seven Thunders. En deuxième position, j'ai mis la 7, The Holy Dark. Et euh, en première position, j'ai mis la quatrième, Invictus. Ça, c'est celle que je n'aimais pas au début. Puis plus j'écoutais, plus je la trouvais cool. Elle aurait pu être dans mon top track aussi. C'est un, un grower. Oui. Félix que okay, vous avez deux d'entre vous ont mentionné la, la tune, c'est quoi, c'est With Fury and Flame, la, la tune titre d'album. Je, je me rappelle. Euh, non, non, pas non Black Flame Eternal. Black okay, Flame je suis Eternal. J'ai comme splice et deux <fix> <t 'entres fix> ensemble. Mais elle, genre, je l'avais trouvé cringe, puis je me rappelle plus pourquoi. Puis ça m'avait frappé parce que c'est la tune titre. Puis tu sais, euh, je porte attention. Là, comme quand c'est la tune titre, je me dis, OK, il va bien avoir de, quoi de représentatif là-dedans. Mais en tout cas, elle n'est vraiment pas dans mon top. Mon top, ce serait With Fury and Allegiance, qui était plus ça, black metal classique, tu sais, euh, comme qu'on entendrait tu sais, genre tout le cadre sortir une tune de même, je ne serais pas surpris non plus. Euh, deuxième, c'est la quatrième, Invictus, que je trouvais qu'il y avait une belle drive dedans, assez cool. Puis première, c'est la, la seule tune que j'ai vraiment beaucoup aimée de l'album. Puis, euh, comme je check, mes, mes, mes notes un, un à côté de l'autre. Dans les, les deux cas, c'est la cinquième tune. Puis est un peu comme semblable, dans le sens que comme à hop le beat un peu, il y, y a comme un D-beat dedans, là, comme tout, à, tout, à, tout, à, tout, à, tout à, le tout 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 puis le son de bass dedans, j'ai trouvé ça cool. ça, c'était plus comme un peu un petit élément comme on pourrait dire comme punk, vraiment vieux, crasseux, puis c'est elle que j'ai préféré de l'album. Un punk vieux, fait. crasseux. Un <laughs> punk de cimetière, dans le fond. Un peu punk de cimetière. Ouais, dans le fond, Seven Thunders, c'est un peu punk de cimetière, comme tout c'est vrai, vrai. Avec du meilleur enregistrement. C'est pas, euh, pas comme shit fuckers qu'on dirait que le micro est dans une autre pièce. <laughs> des fois, Doc il aime ça, des, des micros dans les autres pièces. lui. Ça, Plus ça... que le micro est loin, mieux que c'est. Lui, il tient les épaules puis son doigt croche. Ouais, <laughs> puis... Oh, oh, Veux-tu me parler de Bloody Keep, Doc? Non, non, ça c'est Moi aussi, mais, mais il y a quand même. Et... Voulez-vous qu'on parte sur trois heures de stream? Non, on parle pas de Bloody Keep. <laughs> c'est comme la... un Phil oui. qui disait euh, l'autre fois qu'il qu décrivait un band que de comme... Il dit que non seulement que ça sonne la raie, mais c'est une raie extra poilue et emmardée. C'est la première <laughs> fois que j'ai vu <laughs> le, le mot emmardée. C'est un peu <laughs> dégueulasse. Un, un peu break. dégueulasse. Un euh, doc, ta note. Ma note, euh, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. Euh, j'ai mis un 7. J'ai mis un 7. 7 sur 10. Okay. Pour, euh, pour cet album-là. Belle écoute. Euh, je, vais sûrement, euh, je vais sûrement retourner. Puis ça, euh, ça peut finir quand même euh, quand même dans mes tops de l'année, je crois. Ça va oh. peut-être aller se clair. Peut-être dans les bots. Avec un top. 7? C'est rare, mon Yolin, que je vais en haut. J'en ai pas tant que ça que je vais en haut. Quand c'est rendu à 7 points. 8. Le doc. 8 ouais. ouh, en haut de 8, j'en ai pas beaucoup. Jean, moi. <laughs> je suis pas <laughs> Jean, moi! Oh, God! Simon, c'est le temps de sortir le mime de Jean. C'est un 6, c'est un 8, c'est un 10! C'est un 10! <laughs> euh, Vas-y, Max, avec ta note. Euh, moi, je donne un, un solide 9. Euh, oh. J'ai vraiment eu beaucoup de fun avec ça. Euh, je vais aller Comme j'ai dit, ça va peut-être finir dans mon top de l'année. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec euh, Cloak. Puis, euh, ouais, ouais c'est pas mal ça. All right! Ben, je ne suis pas loin. Je suis à 8.5. Euh, une belle écoute. Belle découverte. Je ne connaissais pas le groupe. Euh, C'est Jean qui me l'avait proposé d'ailleurs, on parle de Jean. C'est Jean qui me l'avait proposé pour les reviews de ce mois-ci. Donc, euh, j'ai faufilé ça dans le mois. Puis euh, quel oui, le beau mémé de Jean quand l'album est un 10. <laughs> oh. Puis je me rappelle du moment où ce que ces trois images-là ont été prises en plus. C'est vraiment, euh, son Internet gelait. Puis il a juste fait comme un « Ah, oh, si je t'aime fait un Mais comme, c'est parfait, genre. Fait que euh, oui, Jean qui donne un 10, ça a l'air pas mal de ça. Même chose quand il vient. Même, même, même face. Donc euh, moi, euh, ouais. je finissais à 8.5 pour cet album-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à réécouter probablement une bonne chance d'être assez haut en fin d'année aussi. Et Félix? Ce serait un set pour moi parce que ça, je, je trouvais ça quand même écoute plaisante. C'était pas horrible ou rien. Mais je vois encore ça comme même s'il y avait des éléments quand même un peu original dedans. Je vois quand même ça comme du black metal un peu datré, comme pour des Yolimp et des Thaïs de ce monde qui ont une immense culture métal mais qui n'ont qui pas embarqué dans le black metal vraiment. Je vois ça comme un peu un tremplin vers ouais. du black metal un peu plus. J'en euh... écoute en masse, Astar. Astar, tu en, en écoutes vraiment beaucoup. Fait que ouais. Mais c'est ça, mais le... De toi. Le, le genre Yolin de comme 2020 là, qui. Genre... <laughs> je me rappelle en plus le vieux meme que j'avais fait, que c'était comme j'imaginais, genre Metal Minded dans le futur, ça va devenir comme un podcast black metal, Chris. C quasiment c à moitié c vrai pas... C'est ça, c'est pas <rire> totalement <rire> faux. <rire> ouais. Euh, donc, on est rendu déjà au prochain groupe. Euh, donc, le prochain groupe est Terrifier. Euh, Terrifier a existé de 2003 à 2012 sous le nom de Skullhammer. Et en 2012, ils ont changé au nom de Terrifier. Euh, ils sont classés dans le thrash metal. Ils viennent de la Colombie-Britannique au Canada. Ils sont sur le label Empire Records. Discographie, un EP, deux splits, troisième full length album. Les membres du groupe sont à la bass et vocals, Chase Thibodeau, euh, Au drum, Kyle Shepherd et à la guitare, René Wilkinson. L'album Trample of the Weak Devour the Dead. OK. Side note. Ça me faisait tellement chier, ce nom d'album-là. Là. Faut que je mm -hmm. le dise live. Ben là. Oui. Ben ouais, référence je pense à que, Skinless, mais c'est même Je pense que je sais pour euh... pourquoi. Ouais. <laughs> La référence à Skinless me faisait chier. J'étais comme, man, ils ont quasiment volé le nom. Genre. Comme... Mais au début, je me suis demandé si Triple The Week ou « Girl of the Dead, c'était vraiment une appellation, vraiment une quote de quelque chose d'autre. Puis là, je suis sur Google, j'ai fait, ok, non, c'est juste Skinless. C'est ça. Fait Ouais, pis pour Skinless, c'était comme un nom assez magnifique avec une pochette magnifique, puis un album, album magnifique, me. un magnifique. Mais eux autres, uh, Terrifier, il les dévore, il les enjambe pas. Fait que ouais. comme... <laughs> Anyways. Anyway, c'était on... ma side note, là, on a, on a divergé. Mais <laughs> oh my god, le nom de l'album me faisait chier pour, skin, pour skinless. Ça, ça me faisait chier. Mm. Euh, sorti le 23 mai 2023, 8 tracks pour 38 minutes 57. Sur cet album, euh, le staff euh, artwork par Ed Repka, les versions sont CD, trois versions vinyles et digital. That's it, that's all. On y va avec le premier reviewer qui est Max. Ok, mais c'était le seul band de la gang que je connaissais pas. Euh... Okay. Puis le pire, c'est que j'avais vu la pochette passer sur euh, les réseaux sociaux. Oui. Puis, je l'aime pas, la pochette. Je trouve qu'elle ne fit pas avec le style musical. On dirait vraiment une, pochette, une vieille pochette de death metal crasseux. Puis c'est pas ça. Non, ça, c'était mon, mon aparté. Comme toi, ça te fait chier pour ce qu'elle laisse. Moi, je dis que la pochette est death metal puis ça n'en est pas. Euh, c'est vrai que la pochette est death metal et même peut-être... Enlève, Enlève Terrifier, enlève le Trample of the Week en dessous, là. Puis ça aurait pu être un album de genre Doom ou de Stoner, quasiment. Mais, il y a quand un même le côté brutal, un peu là. comme cartoon humoristique du trash Apache qui joue. Mais c'est vrai que ouais, moi non plus, je trouvais que la pochette était un peu blé. Tu vois, il y en autres... y a, il y a, y, a y a Sacré camp. T'as vu que ça y a fait, là. <laughs> il aime tellement pas la pochette que. a <laughs> décidé ah, ouais. Non, c'est <laughs> parce que... Non, il... <laughs> C'est parce qu'il vient de caler deux bières, Chris. Euh, euh, oh, ouais, faut, faut il fasse, faut qu'il fasse puppy. Faut faire puppy. Ça, 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 ça fait si est radio encore plus grosse que son aisselle. Oh my god! C'est tellement ah. On n'en parle pas de ça. On n'en parle pas. <laughs> euh, plus sérieusement, euh, le... quand j'ai écouté l'album, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau mélange de toutes les bandes de trash modernes, mais dans qu ce qu'ils font bien. Genre. Euh... Je dirais peut-être que c'est entre Warbringer et Havoc, genre. Fait que euh, moi, j'ai trouvé que c'était bon, ça sonnait bien. C'est euh, super entraînant et tout. Puis, on va se le dire, ça fait de on maudit. Il y a des acides bons riffs. Euh, ça, ça, pas ça shred, mais tu sais, ça, ça, ça grigne. Il y a du gros, euh, du gros riff, c'est intéressant. Puis, euh, ça, des albums après que l'autre que j'écoutais le plus. Puis, euh, parce que c'est l'album album, en partant que s'écoute écoute bien, tu sais, du trash ben rare, que c'est tellement pas écoutable que t'embarques pas ou il n'y a rien qui te fait shaker de la tête un peu. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Ça réinvente absolument rien non plus. Mais, tu sais, à part ça, j'ai pas grand chose de négatif à dire à propos de cet album-là. J'ai écouté, je suis rentré là-dedans, c'était pas trop long, donc contrairement à tout le candra que ça, ça s'éternisait. Puis euh, j'ai pas grand-chose à dire. C'est correct, c'était bien. Puis ça manque d'originalité un peu, mais c'est pas un deal breaker. Là. Pas comme l'autre. Okay. Vous savez de qui que je parle quand je parle de l'autre. L'autre. <laughs> euh. Je feel un peu qu ce que tu dis. Euh, un peu le Warbringer, le Havoc, toute la, la, la vibe de, de, de l'énergie moderne mm -hmm. infusée de old schoolité. On ça. Old schoolitude. <laughs> ouais. Euh, C'est un trash énergique. C'est moderne. C'est old school. Wannabe? Euh, la voix. La voix me faisait penser un peu à Souza d'Exodus, sans aller high-pitch gossant. Ouais, moins criard. Hein. Mais c'est très Exodus, quand même. Fait que le, 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 le delivery est Exodus, la façon de pousser ses notes sont Exodus, mais euh, un petit peu moins Naziard, je vais le dire comme ça. J'ai eu une bonne écoute, mais j'ai de la misère à. J'aimais plus le thrash avant. Plus j'en écoute, moins j'aime ça. Pour la simple et unique raison que je trouve que c'est un des styles en ce moment qui se recycle mal de façon moderne. Il y, a eu, il y a eu un beau renouveau. Il y a eu plein de groupes super hot. Mais on dirait que j'écoute ça, puis je trouve que ça s'essouffle un peu. Bien, parce qu'ils ne sont pas capables de passer à d'autres choses. Parce que tu sais, quand ils ont des bands comme Havoc ou Warbringer ont sorti, on a fait « Hey, wow, enfin, du, du trash qui se réinvente un peu, puis qui, qui rentre dedans, puis qui est le fun. » Là, c'est juste que ça fait une couple d'années. Pouvez-vous nous Mais donner d'autres je... choses? C'est même pas de... que eu ça. Non, je... non, non, non. Je... je sais pas où ils ce s'en vont avec le style. T'sais, dans le... Je... je vais faire des parallèles. Dans le black, tu vas aller soit Atmo, tu vas aller Post. Dans le death, tu vas essayer d'aller Prog, Dissonant, Avant-Garde, whatever. Puis là, ici... Je trouve qu'elle trash, a de la misère de se fusionner avec autre chose pour aller ailleurs. C'est comme ben, ça, que je le vois un peu. Comme Revocation, Tech Trash, c'est intéressant, tu sais. Euh, c'est un, un de ceux qui sont capables. Ouais, je pensais à Cryptosis, Crypto même si ça s'appelle, ouais. Vous l'avez reviewé, ben, il a essayé quelque chose au moins, tu sais. Il, il a essayé quelque chose, mais ça, je n'ai pas aimé ça tant que ça. Fait, que, je veux dire, j'ai une bonne note mais ma critique est entièrement au fait que j'ai de la misère à dire autre chose que c'était le fun c'était nice cool ça. trash tu ça, 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 ça se limite à ça ma review dans le sens que si je veux écouter ça je peux écouter plein wow the goonies <laughs> hey you guys ah <laughs> oh, c'est bon ça c'est un bon mème je, hey, je je regarde la pochette là t'as mis moi, pas mal plus gore, là, puis ça pourrait être une pochette de werewolves un peu. Ah oh, oui, oui. Ça fait très vibe. Fait c'est pas mal ça, ma review, dans le sens que j'ai rien de plus négatif que ils se révendent pas, mais j'ai rien de plus positif que c'était super fun pareil, puis c'était du bon thrash. Mmh, voilà, pareil. Euh, on continue euh, le tour de table et on y va avec euh, Félix. Ben, c'est dread comme que te dit, man. Euh, moi aussi, euh, je... <laughs> pour pas continuer avec les astuces joke-con, euh, j'avais de la misère à mettre le doigt dessus, comme qu'est-ce qui... Parce que tout le long de l'album, j'étais comme « nice, très nice, très nice ». Mais à moitié de l'album, je commençais à trouver ça un peu long. Même s'ils ont quand même eu la, la décence de juste faire 38 minutes, s'ils n'avaient fait plus que ça, demain, ils auraient fait comme OK, Chris, arrêtez. Là. Mais c'est ça, c'était comme c'est virtuose, c'est très, très bien joué. Tous les riffs sont le fun à Chris, comme le, la section rythmique, le vocal, whatever. Est comme, tout est bien fait. Mais c'est ça, c'est le style, il manque tellement. puis c'est le, le style en général, comme tu parlais du renouveau thrash metal. Qu'il est arrivé il y a peut-être 10-15 ans, right? Ouais, c'est le début, début 2010. Oui, 10 ans, ouais, à peu près. Puis, euh, comme à l'époque, c'était crissement cool, tu sais, qu'il y ait tellement de groupes comme ça, tu sais, du, du trash à patch que j'appelle, tu sais, comme pour comparer avec du trash à clous ou tu sais, du trash vraiment plus comme old school. Et il y a quand même certains bands qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, soit en faisant de quoi de crissement bon comme euh, genre Chemicide, genre l'an passé, on avait mm -hmm. tout tombé sur le cul avec cet album-là, genre Reanimators, pas juste parce que c'est des chums du podcast, mais Chris qui était malade leur album de l'an passé, puis, puis aussi il y a comme certains groupes que juste à cause qu'il va avoir un petit aspect comme spécial Soit dans ton cœur ou soit tu sais, un, un aspect qu'ils font que les autres font pas, comme le, le band chinois que j'aime beaucoup, Explosicom, que les autres parce qu'ils jouent tellement fucking vite que c est, c est, ça, ça en devient une joke, genre. Mais Terrifier, c'est ça, c'était du trash cool, mais qui malheureusement, c'est ça, c'est. Je m'imagine pas vraiment comme vouloir dire comme Hey, je veux aller écouter du Terrifier Je veux aller réécouter cet album-là. Des fois, il y a quelques albums qui, tu sais, moi, Simon, Kid, tu sais, on se partage des, des albums de trash metal ici et là. Puis C'est ça, ceux qui, comme ceux qu'ils sortent du lot et que je veux réécouter, soit ils font une bonne fusion avec goût avec des, des autres styles, ou qui font de quoi de juste vraiment comme trop excitant, qui amène ça un peu au next level. Puis il y a une chose que je veux mentionner aussi, c'est Terrifier. Comme je, à, à l'écouter, tu sais, c'est du trash vraiment rapide. Il y a même des comme blast beat dedans. Est-ce que vous connaissez Decapitator avec un K? Oui. C'est le side project de Matt Harvey de Exhumed, que oui. c'est du thrash metal joué par des death metalleux. Puis je ne sais pas c'est quoi le background de ces musiciens-là. Je ne sais pas s'ils ont d'autres groupes. Je sais pas. J'aurais peut-être pu aller checker, dans le fond, vu que j'ai noté ça. J'aurais dû. J'aurais dû, ouais. <laughs> Il y a d'autres groupes, mais c'est des euh, c'est rien connu. de gros ou de connu. Là. Non, ben, je ne dis pas que c'est de quoi de connu, mais peut-être que c'est des, des musiciens qui ont une base dans du death metal. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu ça, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est du trash joué par des death metal. Eux. Pas, pas, tant. pas tant. Pas tant. Non. C'est des thrashers qui jouent du trash pour faire du trash. OK. Puis ils en font du Christy de Bon, mais c'est ça. C'est malheureusement le style. Puis tu sais je peux comprendre l'appel du trash metal tu sais il y a quand du monde pour qui tu sais comme quand ça commence à devenir trop extrême avec des, des gros vocals qui font qui font des, des gurgling » ou du grunting ou des enfants. même c'est du monde qui tripe moins mais qui tu sais pour eux, le, le trash c'est comme il y a la rapidité il y a, a l'énergie il y a le, le côté tu sais old school le côté classique metal de chose. ils ont l'esthétique évidemment comme dès que tu vois le logo pochette non-obstant, mais quand tu vois le logo, tu sais tout de suite là, que c'est à peu oui. près à quoi, quoi sonner. Est ça, je, peux, je peux comprendre qu'il y ait un appel dans cette culture-là, mais quand tu n'écoutes de tous les styles de métal, c'est ça. Je veux dire, tu as tellement bien mis ça, Yolin, Comme quand tu dis que le style, en général, il tourne en rond et euh, ils ont besoin d'une réforme quelconque, je pense, pour rendre ça intéressant pour du monde comme nous autres. Tu sais, qu'ils vont écouter l'éventail au complet. Du métal, mm -hmm. euh, Docteur, à toi? Yes. Euh, moi j'ai l'impression que je suis un peu l'envers de la médaille comparé à vous en ce moment. Parce que malgré que les deux albums euh, les deux autres albums qu'on qu a fait, je savais, étaient plus comme dans le black metal puis tout ça, qui est un genre absolument que j'apprécie un peu plus. Puis le thrash, qui est un genre que j'écoute beaucoup, beaucoup moins. C'est quand même l'album que j'ai le plus écouté cette semaine. Euh, un, moi, je trouve que c'est un album de Thrash qui mélange bien. On vous parler du côté comme Revival et tout ça. Mais je trouve qu'il se classe quand même assez bien dans le genre de composition Revival qui, qui se fait depuis les dernières comme années. Je trouve qu'il se classe quand même assez bien là-dessus. Euh, parce que ça mélange le côté revival au niveau de la, de la composition, mais la production est un petit peu plus moderne, on peut dire. Des fois, oh oui. certains trucs dans la production, des, 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 des vieux trucs trash, des fois qui peuvent me tomber ses nerfs un peu. Là, on dirait que c'était un peu plus lissé, ça passait très bien. Euh, les musiciens derrière, derrière ce projet-là sont super. Pour moi, super compétent. Ils savent vraiment où ce qu'ils veulent aller avec le projet-là. Tu vois que ça ne tourne pas en rond, selon moi, ça ne tournait pas en rond nécessairement. Ils ont une ligne directrice, puis ils vont avec ça. Euh, très belle technique de la part des musiciens. puis surtout, ça ne tombe pas dans les parties qui sont un peu plus... Musicianship un peu plus intense, ça tombe quand même pas dans le démonstratif ou dans l'espèce de crossage de manches. Euh, dans les intros puis les solos qui ont. Je trouve que ça reste. Ça reste dans le style, ça fait la job. Tu ça, c'est high energy tout le long de l'album, mais tu quand même des petites passes euh, ici et là qui font. J'ai eu des petites vibes des fois comme du euh, comme traditional heavy metal. Ici et là. À cause des de la virtuosité et voix... des envolées d'instruments, right? J'ai l'impression un peu plus que ça qu au niveau hein, des, des, des sonorités. J'ai eu des, des petites vibes ici et là que je trouvais quand même assez cool, qui changeaient du trash qui est juste comme. On peut dire on va bourrin un, un peu plus. Là. Euh, ce que j'ai trouvé pas mal aussi, l'album dure un peu moins de 40 minutes pour 8 chansons. Fait que tu as, as quasiment la moitié des chansons qui font euh, presque 4 minutes, là, qui sont comme 3 minutes 30, 3 minutes 40, ouais. tout ça. Et le reste est au-dessus de 5 minutes. Puis je trouve que sur un album de Trash comme ça, c'est quand même intéressant parce que ça permet, on dirait, comme à chaque chanson, de respirer un peu plus, puis d'avoir un, un petit peu plus une progression, un changement entre son début, la partie solo puis la fin. Fait que ça, c'est une chose que j'ai trouvé intéressante de ne pas, de pas y aller avec des chansons de comme 2 minutes, 40, 3 minutes max, puis on garoche tout euh, one shot, comme que des fois certains bands de, de Trash Revival vont faire. Fait que ça, c'était un gros point positif. Euh, je marqué Vocal. Euh, plutôt bon sur l'album. Euh, j'étais pas super convaincu au début de l'album sur quelques chansons comme la quatrième, euh, je pense c'est Depths of the Storm Scepter, ouais, oui. Depths of the Storm Scepter, la quatrième. Euh, ça, c'en est une des places justement que le, le, la voix, j'étais comme. Il ah, y a quelque chose de, il y a quelque chose qui me gosse sans mettre le fameux doigt <laughs> dessus. Mais à force, à force d'écouter l'album, on dirait que je me suis comme fait à l'oreille. J'ai commencé à vraiment <rire> plus... <laughs> j'ai vraiment plus apprécié euh, l'album au feu des écoutes aussi. Là, un peu comme, comme Claude que je tantôt. C'est euh, un album qui est très rapide. Fait que j'ai quand même apprécié aussi que le chanteur tombait pas en mode rap god. trop euh, même J'allais dire trop souvent, même pas du tout. Parce que des fois, quand ça va extrêmement vite, il y a comme une tendance au chant d'aller dans du rap god puis là t'es comme non mais là ça tu, tu, tu parles à qui te disais comme fait... rap god c'est à... non ben c'est quand ils se commence à dire beaucoup trop de mots en un peu espace de temps oh. puis là t'es comme ok non mais là ça fait plus de sens là ça ouais, comme uh, ar Art de rap god. <laughs> en fait aardvark fire <laughs> le fait beaucoup c est, c est ça, pays, ça hein. moi j'ai de la misère je connecte pas du tout du tout avec ça fait quand il y a ça souvent des gens partant ça me... Ça me titille un peu plus. Fait que j'étais content au moins qu'il tombe pas qu'il tombe pas à dire 30 000 mots à la minute sur cet album-là. Là. Mais euh, Non, sinon pour vrai. Euh, belle découverte encore pour moi cette semaine. Euh, troisième album, troisième album. Fort pour la, pour la semaine des, des reviews. Euh, je n'ai pas eu encore le temps d'aller voir le backlog du band, mais euh, clairement, clairement, comme tu disais tantôt, des fois, c'est dur de trouver le temps de le faire, mais mm -hmm. je suis assez curieux pour dire que je vais aller vo voir l'album qu'ils ont fait en. Euh, 2017 puis 2011, 2012, je pense. Euh... 2017-2012. Ouais. 2012, ok, c'est ça. Je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour voir un peu la comparaison, puis juste parce que j'ai honnêtement, euh, j'ai très, très bien aimé cet, euh, cet album-là. All right! Euh, Jean-Simon, oui. est-ce qu'il a écouté l'album? Je ne suis pas mal sûr qu'il l'a écouté, mais je ne pense pas qu'il joinait ce soir. C'est ah. chaud pas. chez nous, je suis en c'est pour ça. <laughs> oh, ben voilà. tu, peux tu peux le dire pareil si tu l'écoutes ou pas, Simon, pas besoin te voir la face, pour la bédaine. C'est du, du trash, j'adore adoré, je suis un fan de Terrifier. Ah ben Et voilà, voilà. Et voilà. voilà. C est, c est on, on s'y attendait. Je hey, suis euh, yes. perdu, perdu, on a-tu tout parlé, les quatre? Oui. je oh, oui, on parlé les quatre. Okay. Je suis perdu dans mon ordre. Genre... Parce que la façon que Zoom fonctionne, ça, ça déplace tout le temps les faces. Ouais, tourne, ouais. Là, je suis comme... Ça ne l'a jamais comme... autant en fait, euh, c'est bizarre. Oui, ça le fait plus que d'habitude. Qu le, <laughs> le Simon s'amuse à me gosser. <laughs> Et il le fait encore j plus que d'habitude. Je suis perdu dans l'écran. J'ai mal au cœur. <laughs> euh, donc on y va avec nos top 3 okay, qui est euh, ouais, le premier euh, c'était Max C'est moi, moi. <laughs> hey, tu vois moi je suis à mon affaire uh, ma jeune side track qui est uh, Trial by Combat la première j'ai bien aimé avec euh, Simon arrête de bouger <laughs> oh man uh, ma troisième c'est la cinquième Grinding the Blade Deuxième, c'est la dernière, la huitième, Awaiting Desecration. Mais celle qui m'a vraiment fait être bagné bien fort, c'est la deuxième, Perpetual Onslaught. Yeah! Perpetual Sapute! J'ai failli la mettre. C'est quoi, t'as dit? Perpetual Sapute! Perpetual! Perpetual! Euh, je pense plutôt au, au, comme au groupe de thrash metal britannique Onslaught mais qui sont perpétuellement en train de jouer <laughs> c'est pas le fun à imaginer c'est long en aussi c'est long <laughs> euh, là je pense c'est moi en deuxième si je me souviens bien de mon ordre oui effectivement c'est moi donc mes top 3 en troisième position j'ai mis la troisième qui est Bones of the Slain euh, en deuxième j'ai mis la huitième Awaiting Desecration. Et en première position, j'ai mis la cinquième Grinding the Blade, qui pour moi vraiment est celle qui sortait le plus du lot. Avec le petit intro euh, super relax, mais ça vire. Ouais. Ça vire, man. Ça switch la tune de bord, puis ça rajoutait justement un élément fraîcheur, un peu. Tu sais, le, le petit switch. Puis pour ceux qui connaissent mes reviews de Dantan, euh, tout ce qui est thrash j'aime ce qui est baladesque dans le thrash fait que ça avait ce petit élément baladesque là mmh. juste au début mmh. puis après ça ça partait un petit peu en cabochon puis c'était bien le fun euh, Félix c'est à toi ouais. <laughs> euh, troisième <laughs> là, je suis comme ah de comme heure, la tune Perpetual Onslaught c'est l'espèce de partenariat entre la, la rythmique et le riffing ça c'est la double pédale qui va faire comme oh, ouais, ça, très, le, cool. au début c'était hot là. Euh, deuxième tout le monde en a parlé je, je serais pas surpris que Doc le mentionne aussi Grinding the Blade le riff principal à Circle Pit là-dedans là, tabarnak Hey, euh, on fait des, des niaiseries. Là. On doc même, un... sauf que là, le fait qu'il est en deuxième place. Dude, Simon, on the ball. Brofist à toi, parce qu'il y a un kit de tweet. Ah, là là, que doc là, poir, là, là il, faut, il faut un nouveau pit de tweet. Il manque du monde. Il manque juste Doc Poivre dans le film. Il manque du monde. Il manque quelqu'un. pourtant, il n'est pas là. <laughs> non, mais il n'y a la... pas, pas du monde, Doc Poivre. Première toute, ce serait. <laughs> Ça serait Trial by Combat, parce que quel est oh, ouais. tune. Je veux dire, elle rouvre l'album, elle représente vraiment ce que tu vas avoir. Puis, je veux dire, tu sais, peut-être que j'ai été un petit peu mi-fig, mi dans mon intro, mais honnêtement, c'était quand même un C'est -ce, quand même du Chris de Bon Trash qui joue, ces gars-là. Waouh! Cette image! J'ai tombé un bear. long coup, J'avais oublié ce mémé-là. Euh, euh, il est parfait. Vous êtes tous les, les mêmes gars, on, même est, les on, est en on est là. Ouais, on est là. On est beau. Là, vous, vous êtes comme moi présentement? Vous êtes en chess? Ça me rappelle tellement la, la première fois que Gab de Pouilleux me dit Je m'en viens sur le podcast Metal Minded, on le fait ça en chess. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai commencé l'épisode en chest avec lui, puis c'était assez spécial. Fait que euh, shout out à ça. Oh, hey, de Doc qui de... hey. est live qui fait un don en live pour me souhaiter bonne fête à minuit. Oh, c'est fantastique. Non, ben, ben en fait, euh, bonne fête Yelin parce qu'ici on est déjà le premier juin. C'est <laughs> ouais, vrai. C'est vrai. Chez en vous, en Chine c'est déjà ta premier. fête. Oui. Ah, c'est hot. Hey, merci guys, vous êtes fantastiques. Merci papa de l'avoir écrit dans le chat. <laughs> ah, merci Doc, c'est tout un trésor. Là, on est rendu où avec tout ça, là. Avec tout ça, on est rendu à donner nos notes. Non, 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 j'ai pas dit non, mon top non, twack. Non, il... non, top twack, <laughs> doc poivre. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit après doc poivre, on va donner nos notes. Merci. Merci. Okay. C'est ma... que j'avais dit. <laughs> troisième, ma troisième top twack, c'est Trial by Combat. La, la première, parce que je trouve qu'elle part l'album. À chaque fois que je repartais l'album et qu'elle partait, j'étais comme Let's Go. On est, parti pour, on est parti pour une raid On est parti pour une raid de moto imaginaire. C'était le fun. Deuxième chanson, j'ai mis « Grinding » de Blade, la cinquième. Que je pense que je doc avec Félix qui l'a mis aussi en deuxième. Moi, je l'ai mis et en premier. Ma... Tu ah, tu l'as mis en premier. Moi, la première, honnêtement, j'ai vraiment hésité. Entre ma deux et ma un, j'ai vraiment, vraiment hésité. Avec du recul, « Grinding », j'aurais peut-être pu la mettre en un, mais là, j'ai mis « Death euh, » NDK. Euh, la sixième mm. chanson, je l'ai mis en première, mais je pense qu'avec du recul, je les inverserais peut-être. J'étais à 50% des inverses. Je vais y pensé, je vous reviens à ça au prochain, euh, prochain <laughs> oh, Metal oh, Minded. Nice. <laughs> dans, le chat, dans le chat, il va y avoir un doc qui comme, j'ai changé mes notes. <laughs> On refait <laughs> l'épisode. Au complet. <laughs> <laughs> avec toutes les avec tout le même timings, toutes le même les mêmes choses, les okay, mêmes ouais. chose, ah, même ouais. même niaiseries, il faut être le même ah, oui. niveau de show. C'est ben, ouais. connu que Metal Mind. Il, il va que, que je un refasse le dessin, mais que là. je, je le refais en live, pas que je réutilise le même. Right. Non, 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 un nouveau. Exactement. Parce qu'on qu a un script, en fait, on peut juste lire un script. Oui, oui et on là. lit <laughs> un script. <laughs> il y a l'aime, il faut des scripts avant l'émission, c'est ça que vous savez pas, gang. Tous les épisodes sont stagés. Toutes. Il y a, a quelqu'un chez chacun d'entre nous oui. qui fait des signes, genre oh, non, non. Avec, avec le doigt de même, là? <laughs> <laughs> un minute. Comme ça. <laughs> Fantastique. Donc on y va avec notre note. Je ah, ben, vais euh, y aller. Oui. Euh, J'ai donné un 8. Je donné un 8, c'est un trash qui est super efficace, super le fun. Euh, à date, je dirais, si on ne considérait pas Hellripper comme du pur trash, je pense que ça, c'est mon trash, mon avant-trash de l'année à date. Okay. Je n'ai pas écouté beaucoup jusqu'à Je suis à la même place que toi, parce que même si ce pas la chose qui me fait capoter, ce pas le trash qui, qui est mon style de prédilection, c'est un 8, parce qu'il y a plein d'éléments le fun, c'est party au bout, ça y va. Je veux dire, c'est efficace en crise. Mais il n'y a rien de nouveau que je vais découvrir avec Terrifier. Mais 8. Mm -hmm. Donc, Félix. Moi, c'est un 8 pour exactement les mêmes raisons que tu viens de donner. C'est quand même crissement bon. C est, c est, c est, il y a du riff là-dedans. Il y a du riff à qui mieux mieux. C'est virtuosement joué. C'est le manque d'originalité, mais ce n'est pas leur faute nécessairement. C'est juste propre au style. Puis quand tu es dans cette culture-là, parce qu'on on, s'entend, si, si tu en connais du monde qui sont vraiment trash, mais tu es à la fond, t'sais, ils s'habillent d'une façon, ils, ils écoutent comme énormément, comme quasiment juste du trash et compagnie. Puis cette bande-là, man, si jamais ils viennent en show, ben j'irai pas parce que je boycotte tout ce qui est canadien-anglais. Mais ceux qui y vont, ils vont triper en crise parce que j'imagine... <laughs> j'imagine oh. le circle pit qui rouvre, là, comme dans la vidéo de Mortor qu'on a mis sur Pouilleux hier. Right? Comme oh, euh, cool. dès, que, dès que le premier riff commande, puis euh, Yolin à chest poilu qui commence à faire ses moulinettes même. Oh. <laughs> sur ça, ben, mon écran commence à démer moi. Fait que faut que j'aille chercher mon, mon câble pour le brancher. Va bon, chercher ton câble après ta note. Et euh, Doc, ta note. Euh, pour moi, j'ai mis, mis un 7 aussi comme Cloak, un 7 sur euh, 10. Très bon album. Euh, honnêtement, un album qui va peut-être monter une note même au courant de l'année t'en parleras un prochain épisode ouais mais pas le prochain d'ici le prochain j'aurais pas décidé euh, d'ici peut-être l'épisode du euh, du 19 juillet 19 juillet je reviens avec ça gang c'est good <laughs> très précis t'as It, failli too me cool. faire cracher ma bière <laughs> euh... très 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 proche euh, 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 euh. Donc On est rendu au prochain album J'aime <laughs> voir Fénix Passer que son fil Il est comme Regardez it. gang j'en ai un fil euh, c est c est que son fil, il est plus mince que le nôtre. Oh, oh. <laughs> J'allais dire, on dirait, on dirait Phil quand il s'est fait ouvrir sa bière par le gars de Vidéotron euh, des États-Unis. <laughs> ah. Il passe dans le background. Lui, il passe avec son fil. Ça va faire un job d'électricité. Ah, on va avoir une vue différente. Fantastique. Donc, ben oui. on y va avec le prochain groupe euh, ce soir et le dernier de la belle soirée que nous avons. On y va avec Calma. Disclaimer. Uh, c'est beau. Beau mémé. Mm. Uh, disclaimer. Je suis un gros fan de Karma. Je tiens ça dans mon cœur. Beaucoup, beaucoup. Bien, bienvenue dans le club. Uh, donc, Karma. Ils, de 91 à 98, s'appelait Ancestor. Puis, à partir de 98, ils ont pris le nom de Karma. Ils sont classés dans le Melodic Death Power Metal. Ils viennent de la Finlande. Ils sont sur le label Ranka Kustanus. Euh, discographie, un démo, neuvième full-length album pour eux. Les membres du groupe sont à la guitare euh, Anti Coco, guitare et vocals Pekka Coco, je son son frère, frère. Euh, à la bass Timo Lettinen, au drum euh, Yannick Kusmin et à la guitare Veli Mati, euh, j'ai dit keyboard plutôt, Veli Mati euh, L'album, qui est leur album éponyme. Ils ont fait un album Kalma. C'est euh, weird, ça, quand même. Après uh... autant d'années. Ouais. Euh, sorti le 26 mai 2023. Distract oh, 43 minutes 59. Le staff sur cet album Mixing Miko Carmila. Mastering Mika Jusila. Uh, recording de Git Keyboard Vocal par Ati Kurtelainen. Recording de Bass et Drum par Yuho Raya. Design Yane Petonen. Hey, je dis des affaires tough à soi, puis je suis pas pire. Photography par Mika Walineva et cover art par Nicholas Sundin. Anciennement de Dark Tranquility. D'ailleurs, Miko Carmilla et Mika Yussila, c'est deux gros noms genre, dans, dans le milieu du mix mastering en Finlande. Là, ils en ont fait beaucoup, beaucoup. Très nice. Version Digital CD, une version vénile. C'est tout. Je, on parlait des, des bands qui sont des albums éponymes mais mais après longtemps. Dream Theater l'ont fait aussi, puis ouais. des années après. Là. Mais c'est weird pareil. Je trouve toujours ça très weird. Il n'y hey, a, a, a plus personne en live avec nous autres. On finit l'épisode. Fuck tout le monde, que, Non, non, je, je suis là, Yolin mais je voulais juste te dire pour ta fête. Je voulais te souhaiter une bonne fête au nom de tous et toutes. C'est mis en trust. Je, je mis en me suis permis de mettre un petit, euh, un petit costume pour toi pour ta fête. On fait une petite parenthèse. Mais oh, bonne fête, mon beau Yolin Oh my Lord. J'ai mis mon beau costume de Budweiser juste pour toi <laughs> ce soir et je t'offre une Budweiser, oh. mon cher Yolain, oh my que j'ouvre pour toi, mon beau. Oh Lord, je suis plus bien. Je suis plus bien. Je veux mourir. Donc, bonne fête, je sais que ça te fait plaisir. C'est cadeau, c'est gratuit. On peut continuer l'émission. Holy shit, man, le costume Budweiser qui va avec tout. Ah, oh, tu me gâtes. Tu me ouais. C'est mieux qu'en chess, je pense. Euh, je pense que oui, mais je pense que j'aurais aimé voir le chess à Doc Pauvre quand même. Il ah. doit être euh, bien bombé. Il est, il est en dessous, il est en dessous du costume. Moi, j'imagine juste qu'il est très, très barbu, mais il faut l'imberbe du chest. Oui. Ouais. Il, il va nous le montrer <laughs> en after party. Hein, oui, ben c'est ça. <rire> <rire> euh, et c'est à moi de commencer cette review. Donc, après cette belle introduction de Budweiser. Je suis 23 contre jour, moi, voilà, attends un peu. Donc, je l'ai mentionné, Kalma. Je commence avec le disclaimer du fait que je suis un gros fan, dans le sens que quand il y avait les, la guerre du mélodette européen, puis qu'il y avait des groupes comme Children of Bottom qui faisaient la même chose, Kalma a pour moi toujours été supérieur pour tous les albums. Et je m'excuse aux fans de Children. Parce que j'en ai aimé du Children. Hate Crew Roll est encore dans ma rotation. De faux, je l'écoute de faute en, en, en je l'ai manqué cet album-là. Mais, calme! J'embarque sur cet album, j'ai jamais manqué un album, j'ai toujours trippé. J'embarque sur cet album et j'ai tout autant trippé que j'ai toujours trippé, même plus que celui de juste avant. Euh, ils ont réussi à revenir me rechercher par les émotions. Ce qui, pour moi, est leur charme, c'est leur chanteur. Euh, il a toujours été capable d'évoluer. Euh, il a été capable d'aller chercher des lows sur certains albums, comme 12 Gauge. Il était capable d'aller très gros, très bas. Puis ici, il a trouvé un ballon dans son vocal que je trouve tellement fun. Euh, puis là, si Simon avait le mime. S'il y avait le mime encore laudé de moi qui parle de fruits, c'est le temps, parce que c'est du mélodette qui est méchant, intense, avec un beau riffing fruité, bien balancé et dosé. Moi, j'aime calma et voilà. Et Il voilà. A... <laughs> et voilà. C'était prêt. Um... J'aime ça, j'aime ça. C'est du feel-good music pour moi. C'est comme mettre mes pantoufles chaudes à côté d'un beau feu dans un chalet qu'on s'est réservé. On s'installe, j'ai ma robe de chambre, je bois un petit scotch. Pour vrai, j'ai pas grand-chose de négatif à dire pour cet album-là parce que c est, c est, ça fait trop partie de, 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 de mon bagage musical. Puis c'est un des groupes de ce style-là qui m'ont jamais déçu. À chaque album, ils sont capables de venir me chercher par les tripes et de me dire Yo, si t'aimes notre musique, mon tabarnak? » Fait que je décrocherai jamais de Karma. Je ne suis aucunement critique ici. J'aime de A à Z. That's it. Au prochain. <laughs> c'est comme. OK. That's it. Ben contrairement à toi en fait absolument contrairement à toi j'avais jamais écouté de Kalma. pas une tune même pas une note ever je suis triste pour toi puis ben c'est comme je savais évidemment que j'étais au courant de leur existence je savais tout le monde disait que ça ressemble beaucoup à Children of Bottom, mais à un petit peu plus violent puis ça ça ressemble exactement à qu ce que j'ai eu avec mes mon écoute puis ouais j'ai eu crissement du fun avec cet album là c'est vraiment le fun right tu sais c'est comme il joue très vite, c'est virtuose, c'est catchy à mort. Comme tout le long, c'est juste comme un stick c'est catchy, un stick c'est nice, c'est très tight, c'est très bien joué. C'est ça, c'est. le monde il décrive ça comme du death mélodique, mais il y a quand même aussi vraiment beaucoup de comme, power metal là-dedans. C'est Children of Bottom, je pense que euh, sais, il l'avait dit comme on the record plusieurs fois qu'il tripait bien power metal, mais qu'il n'aimait pas vraiment le style vocal puis qu'il voulait faire ça un peu plus comme violent dans le fond une fusion entre du power et du death metal puis je trouve ça très cool puis genre euh, yolin il est, il est parti il, il a dû aller faire un petit pipi encore parce qu'il il y a un band <laughs> qu'on avait écouté l'an passé que c'est pas la même vibe tout à fait mais euh, Chris, ben, euh, je vais attendre qu'ils reviennent parce que je veux j'écoute tout j'écoute tout j'ai tout entendu non, ben, ben, je sais que t'écoutes, mais je voulais te demander tu te rappelles-tu du band Desert, euh, desert Near the End? Fear? Oh, desert near the end, oui. Qu'on avait review l'an passé, que c'était un groupe Aye. grec qui faisait du power metal fusionné avec du trash Fait que pour du monde comme moi, puis toi aussi, j'imagine, qui sont pas trop, trop fans de power metal à cause de certains tropes du genre, comme de rajouter comme un autre style un peu plus percussif, puis dans ta face dedans, euh, ça rendait ça très digeste et intéressant. Puis c'est ça, c'est pas le même genre de musique, mais c'est un peu la même vibe que j'ai eu avec Calma, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié mon écoute. Parce que c'est ça, c'est fait chaud, Ça me fait chaud, ouais. me fait chaud au cœur que tu as aimé ça. Genre, j'aime tellement Calma. Je trouve okay. qu'ils sont parfaitement dosés et balancés dans tout ce qu'ils font. Ça. Puis je ne sais pas vraiment pourquoi que je n'avais jamais écouté. Ça n'avait jamais vraiment donné. Comme Children of Bottom, je trouvais ça cool. Surtout tu sais, qu'ils venaient tellement souvent à Chaud à Montréal que je suis allé les voir. Je les ai vus quatre fois à Chaud en tout. Puis, tu sais, c'est ça. Ce n'est pas de quoi que j'écoutais par moi-même si souvent. Puis, Children of Bottom aussi, il faut le dire, ils sont un peu essoufflés en fin de carrière. Right? Oui. Je pense qu'il y a eu un petit boost avant le décès un peu tragique de d'Alexis Layo. Ben, euh... Quand il avait reparti. Euh... Bottom After Midnight, qui était son nouveau band, qui était fucking bon. Ben, en tout cas, ben moi je me rappelle que quand j'étais à l'université, c'était déjà le moment où ce qui était, le monde, euh, c'était plus Hate Breather», c'était plus Hate Crew Dead Rolls, c'était plus des albums un peu plus by the number. Puis vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écouté calmement à cette époque-là, parce que le monde, il en parlait comme moi, c'est Children of Bottom un peu meilleur, puis un peu plus violent. Puis aussi, euh, tu connais dans euh, l'anecdote d'insurrection puis Calma, right? Oui, puis j'ai vu en show avec Insurrection. Puis mm -hmm. je pensais juste, je oh, parle pas de l'anecdote que tu as déjà dit, qu'insurrection a pris la chambre d'hôtel à Calma, là, mais <laughs> euh, moi, ce que je sais, euh, quand j'ai vu live, à cette époque-là, il y avait euh, l'émission euh, Metalocalypse qui existait, tu sais? Mm. Puis il y avait le trope du Finlandais Blonzeveld qui parle, puis qui est super cut, puis qui parle d'une façon très spéciale. Quand j'ai vu Karma Live, deux gars en chest puis il y avait de exactement de le bassiste je capotais genre j'étais comme oh my god calmos c'est exactement les tropes européens des blonds parfaits, genre il y a une raison pour que genre metalocalypse ils ont comme Christ, c'est clair c'est clair c'est quoi que leur chanteur est inspiré par c'est comme chaque bonhomme a comme clairement une inspiration là mais oui, l'anecdote d'insurrection qui ont pris la chambre d'hôtel, le Karma, c'est très, très drôle. très drôle. Ben c ça. Fait que dans le fond, c'est juste un résumé, c'est ça. Euh, ils jouaient à Rouen noranda puis euh, dans Insurrection, c'était comme le co-main, le c'était leur bande de support. Puis ils sont allés au motel, puis les boys euh, d'insurrection, c'est comme cinq gauches felons, tu sais, ils, ils prétendaient qu'ils ne parlaient pas français, puis ils parlaient en anglais avec des, des accents européens fakes, comme Yeah, this is we are calma. We are metal band from Finland. This is hotel room. Puis là, la, la madame au comptoir était comme uh, OK, uh, this is uh, your key there, blah. blah » blah. Mais Calma, ça veut -tu dire qu'ils sont arrivés par après et qu'ils n'ont pas pu avoir leur chambre. C'est qu -ce quasi. Qu -ce je sais pas. je sais pas. Puis c'est comme, oh. comme toutes les histoires second hand qui sont arrivées il y a 15 ans. Peut-être qu'il y a d'autres détails que je ne sais pas, mais là, Chris drôle. ça fait partie du lore métallique québécois. <laughs> Uh, c'est fantastique. Ceux qui ne l'avaient pas entendu. Oui. Euh, au prochain pour euh, parler de Calma. Ah, je pense que c'est Doc. Bon, vas-y, après moi. C'est moi. J'ai oublié de présenter tantôt la West Coast Lager, le castor. C'est ma deuxième bière. Ah, c'est bon, Ça, c'est bon. Moi, c'est tout le temps. Quand je sais pas quoi prendre. Quand j'ai une le castor, dites-vous, c'est que j'étais de 20 étagères puis je me disais, je ne sais pas quoi prendre comme deuxième bière. Je suis allé avec le castor. C'est toujours bon. Ça, c'est ma troisième bière que j'ai jamais présentée, qui est check fini. Mais c'était la Lepton Lager de Perspective qui est une lager houblonné au Motsueka. puis mm. attendez-moi deux secondes ben je vais chercher une quatrième bière oh, oh. damn, c'est la fête probablement le castor c'est clairement le castor je <laughs> tiens <laughs> <laughs> hey, à dire aussi, ceci n'est pas un hoodie, c'est pas un hoodie Budweiser, c'est un onesie Budweiser. Fait que j'ai les jambes pis toutes pis toutes. C'est un One Piece au complet. Il fait vraiment chaud. J'ai. C'est <laughs> ma bière préférée prendre. du castor. J'ai failli la prendre. Elle est <laughs> tellement bonne. Lime Pilsner. C'est la bière d'été parfaite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ridicule. C'est ridicule. Il fait, il fait beau. Il fait chaud. On a soif. On veut boire. On veut que ce soit désaltérant. Lime Pilsner. Castor. Hey, Doug, enlève-lui ton onesie, non Non, non, non je suis correct. Je, 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 je au pire, enlève-lui ton onesie <laughs> Je, je souffre pour Yolin. Vous allez voir, plus que plus que l'émission avance, plus que je vais devenir rouge, parce que là, il fait, euh, il fait déjà 31 en pièces, plus j'ai oh. mon hoodie, plus un onesie. Ok, t'as l'hoodie en dessous du onesie. <laughs> t'es es malade, t'es un malade. Donc, Donc vas-y, vas-y. Calma, c'est un band qu'on m'avait euh, pas mal hype surtout dans le temps avec l'album de 2000, euh, leur album de 2018 mais j'ai ah. je vais péter la ballon un peu j'ai jamais vraiment trop accroché 2018 euh... c'est le pire album qu'ils ont fait oui ah, ah ben tu vois c'est le seul que j'ai écouté ah non mais non j'avais pas c'est lequel accroché. leur meilleur vous diriez they will return ok moi je suis pas d'accord so, 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 avec swamp la, song. moi, moi je suis team swamp song moi. OK, ben okay. je vais écouter Faudra les deux cet après-midi. C'est les deux qui suivent. 2002-2003, genre. Ouais. J'ai jamais trop ça. J'ai jamais accroché. Puis là, on dirait. Mais on dirait que j'avais quand même un peu le même feeling sur cet album-là. Euh, pour moi. Là, je trouve ça drôle parce que vous l'avez quand même hypé un peu. Mais moi, j'ai marqué de reprendre la fameuse expression de chez Metal Minded. Mais pour moi, «Kanma», c'est sur la même playlist de pre-game de hockey que à Amart. Je suis okay. désolé. <laughs> c'est un métal poche de hockey. C'est pas mauvais. Fait que, fait que beaucoup, mais c'est beaucoup plus mélodique, beaucoup plus symphonique. Euh, même un petit des petites passes power metal par-ci, par-là. Mais euh, ça tombe pas dans l'extra fromager du power metal. Pour, ça. pour les petites passes, je trouve qu'il est un petit peu plus power. L'album euh, dure 45 minutes. J'ai l'impression que pour 45 minutes, il n'y a peut-être pas assez d'idées originales pour faire un album complet. J'ai filé que ça pour moi tu ça c'est <laughs> <laughs> hey, J'ai mis ça, un beau fait, pour toi là. Ça a fait Yolin, et puis tu le fais. Ah, oh, c'est vrai okay, <laughs> super album euh, 10 sur 10. Ah max. voilà. voilà. <laughs> Mais non, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de filler pour moi. Euh des fois, c'était juste. Des fois, ce pas nécessairement une chanson filler, mais c'est juste des chansons qui s'étirent pour s'étirer un peu. Des fois, c'est le... la vibe, le feeling que j'avais. Euh, niveau musical, production, ça sonne très, 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 très bien. Là. Honnêtement, il n'y a, rien... a rien qui me gosse, il a rien qui me dérange, mais il n'y a rien non plus qui me fait dire vraiment comme wow. Euh, les vocales. Les vocales sont quand même compréhensibles, je trouve, par partie, là, la, la façon qui, qui, qui chantent et tout ça. Euh, surtout après plusieurs écoutes. Mais j'ai comme été trop curieux, puis j'ai été lire les paroles. Puis je comprends que l'anglais, c'est pas nécessairement leur langue euh, maternelle, mais des fois ça sonnait comme. Il y a des passages qui sonnaient cheap ou tu sais, des rimes qui sont un peu... Il parle de poisson. Il parle toujours de poisson. <laughs> C'est vraiment ouais, ça. Il ben, parle toujours de poisson. C est, c est, on on va coup, se il dire, avait des... les, les paroles de Kalma. Ça n'a jamais été leur force. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a certaines choses j'ai notées comme faire rimer la phrase praise the Lord avec play the chord. Ah, Je t'ai remarqué où il y avait aussi everything will fall, but the crawlers will crawl. T'as fait. Oh, le, le, quand je voyais les lyrics, j'étais comme, oh Sam, hey, j'aurais pas dû les lire. J'aurais juste pas dû aller les lire, je pense. C'est le, non, hey, le man, point à retenir. Ils ont une tune qui s'appelle The Groan of Wind, puis ils parlent de la grippe aviaire. Ah bon? Oui. Sans foutre, là. Ok, c'est peut-être. Je nick-pick peut-être un peu en allant voir ça, mais ça, on dirait que des fois, j'étais comme, oh. Je sais pas. Ça, ils ça, répètent les... beaucoup dans leur tonne. Là, le chorus va revenir souvent. Ou ça aussi, ouais. Mais, ils ont pas, ils ont ça, pas ça, des ça... tonnes de lyrics. Ça, ça m'a ça pas dérangé. Que, que ça se répète, ça me dérange pas tant ouais. que ça. Mais des fois, c'est les paroles ou rimes faciles, c'est juste une fois que tu les as vues, tu peux plus ne plus les voir. Puis on dirait que ça, ça donne un peu, pour moi, l'album. Euh, mais j'ai marqué, comme pour moi, c'est Calma qui semble faire du Calma. Puis si tu aimes Calma, tu vas aimer Calma. Juste, moi, 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 moi. C'est exactement ça. Ils font ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. J'ai été voir, tu rapide, rapide les autres albums et tout ça. Mais je pense que c'est un consensus assez général qui dit, euh, qui semblait dire sur Internet même que calma et calma, puis ils font du calma. Puis c'est un peu la vibe que, que j'ai eue. C'est pas mais, plus compliqué mais, que mais ça. Mais c'est comme un retour de force parce que Palo avait été considéré comme leur pire album un peu un peu plus faible euh, mais tu vois quand je, parce que j'ai écouté j'ai traversé un petit peu euh, je l'ai pas vraiment écouté dans le temps j'ai traversé un peu justement là pour les reviews puis je voyais une genre d'évolution mais comme c'est dur de mettre le point dessus quand tu écoutes vite vite à gauche à gauche à droite fait que ça fait du sens que tu me dis aussi que ça a peut-être été considéré comme un album c'est pas vraiment euh, moins une évolution c'est plus un retour un retour c'est ce fait, fait il va falloir genre, voir vraiment un peu plus, peut-être que je vais un peu plus apprécier leur ancien stock euh, aussi. En, euh... en, en after-épisode, je te fais écouter une tune, t'as pas le choix. Je te force. C'est ta fête, j'ai pas le choix. Pas le choix. Papa! <laughs> 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 -pa -oh! euh, sinon, c'est ça. Pour moi, par exemple, dans le, dans le, dans le genre que c'est, euh, si j'ai le goût d'écouter ça, il y, certains, il y a certains albums qui m'ont fait. Même si c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Jusqu'à un certain point, on peut comparer les deux. Mais comme je disais tantôt, euh, du vieux à Monamart, des fois, pour un peu moins mélodique, symphonique que ça, c'est sûr. Mais l'espèce de petite vibe que je retrouvais. Ou même du éphémère euh, leur album 2019, Pro Copton. est pas. Je ne pas qu'il est aussi. Même pas tant proche, mais il y a des, des, des petites vibes des fois que j'ai eu que ça m'a refait de penser à cet album-là, que ça fait extrêmement longtemps que je pas écouté. Fouille-moi pourquoi, puis ça m'a donné le goût d'aller écouter cet album-là, des fois un petit peu plus que Kalma. Que fait que, apprendre, apprendre, apprendre à laisser, mais ça, si il y en a qui sont fans du genre ou fans de Kalma, de go, go for it. Ah, Est-ce right. qu'on a est des de nerds, pareil? Il y a comme un Doc Poivre qui name-drop name -drop FNMR. Moi, je name-drop Desert Near the End. <laughs> oh oui, oui, on, comme... on, on est tous nerdy là-dedans. Même FNMR, j'étais comme, fuck, c'est un stretch, je le mentionne dessus, mais à chaque fois que je l'écoutais, c'était comme un genre de... Re... Tu sais, comme quand tu as un ressenti où il y a quelque chose qui te fait penser à un album que même si c'est pas nécessairement la même, c'est pas sur un pied d'égalité trop trop, ben je me suis dit, de la merde, je vais le mentionner. C'est ça euh, <laughs> ce que j'ai dit avec Desert Near the End, c'est ça. C'est parfait. Hey, Max. Hey, J'étais un petit peu, je un petit peu, ok, là. Là, le doc vient de me faire mal un peu, j'aimerais ça que tu me fasses du bien. <laughs> oh, On ouais, dit, mais... moral. Ouais, mais je suis dans le même team que toi. Mais je sais génial. que tu es dans le même team que moi. Je m'en attendais, j'écoutais l'album et je suis comme Max, il va aimer ça. <laughs> moi, j'ai adoré les albums. Moi, je un... me rappelle, je faisais des raids d'autobus, puis je me tapais Swam Song » en boucle avec Fucking Heroes to Us, qui est une de leurs oh, meilleures oh, tunes à mon avis. J'aime beaucoup trop Burboss Revenge. Aussi, oh my god! Mais quand Mais tu dis euh... un book, si », tu as, ce que c'était à l'époque des, euh, des Discman, est-ce que tu avais juste <laughs> un CD? <laughs> T'avais pas oui. le choix! Tu juste pas le ouais. choix, dans le fond. C'est pas, <laughs> pas, pas ce tu voulais. J'avais ça, puis je ne traînais pas plein de CD pour une ride. J'ai comme regarde, on m'a pogné un album. Tu sais, tu pognes l'album dans ton Discman Sony, là, puis tu lis paroles dans ton livret. Ouais. C'est merveilleux. Euh, quand j'ai entendu le premier extrait qui était rendu by Gil, comme, je le sais pas. J'étais comme pas sûr. Hey, que... Attends, attends, faut que je prenne une pause. Oui. Tata Bootlamine vient de se désabonner du doc parce qu'il porte un hoodie de Budweiser. <laughs> Moi, je suis bien content de ça. Est-ce que dans la Tata c'est un. Il, il, il le mérite amplement. Est-ce que dans la Tata Bootlamine, c'est un right-winger qui, qui, qui boycotte tout ce qui est Bud Light? Parce qu'il Non, qu qu non c'est juste qu'il aime pas Tata Budweiser. c'est Jeff, pis il aime pas à Bud. Fait fuck that. Je pense euh... que c'est seule bière que j'aime pas, de toutes les bières que j'ai bu de ma vie, puis je n'ai bu comme 5 milliards. Bon, oh, hey, écoutez, toi, tu... je vais continuer, puis ça finira plus, ouais. euh, C'est <laughs> ça, quand, quand j'ai écouté le premier extrait, j'étais comme pas trop sûr, parce que je pense pas qu'ils qu ont sorti comme extrait la meilleure toune. Puis, bizarrement, ils ont pas fait de clip. Ils ont pas fait de promo tant que non. ça, puis... Euh... Mais quand j'ai écouté l'album au complet, hey Calma début 2000. Mm -hmm. C'était mm -hmm. comme euh, Doc, est -ce que, comme Yolin disait, c'était un retour aux sources pour le band. C'est que euh, ils ont sorti trois albums qui sonnaient sensiblement pareil, que c'est vraiment Tretch of Off Bottom puis' euh, euh, Melodette Power. Et là, ils ont sorti un album qui s'est appelé The Black Waltz. Là, ça a comme un peu Virait un peu plus pesant. Hey, il était méchant, cet album-là. Il était plus pesant, plus symphonique, puis euh, le, le vocal a beaucoup changé. On avait un, mm -hmm. un growl plutôt qu'un vocal screamé comme Chill of Bottom. Et avec cet album-là, on dirait vraiment c'est essentiellement Swam mais que le vocal de Black Waltz, un peu. Oui. Donc, euh, parce, que stich, des screams, parce que des screams aigus, il n'en fait plus tant que ça. Oh. Euh, euh, je veux dire, le. Il y a beaucoup de feeling dans cet album-là, genre, No Words Said Enough, My God, il y a du feeling là-dedans. Puis la deuxième partie de Red and Black, j'ai trouvé ça écarté, comme un bout de plus, euh, plus clean, plus en blanc, avec des, des, des mitraillettes de mitraillette dedans. Je fais suis wow, OK, je m'attendais pas à ça. C'est du gros riffing au pied carré, c'est ultra mélodique. Euh, Écoute, j'ai capoté. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis je ne m'attendais à rien parce que l'album précédent, Palo, je ne l'ai vraiment pas aimé. Ben, j'ai ai aimé, moi, mais flat. Ah oh, non, mais j ai, j ai, je l'ai écouté et j'ai fait « mais, ok, ok, c'est tout bad, là ». Mais euh, ça, j'ai vraiment aimé. Puis même la pochette, la couleur de la pochette, c'est vraiment pas commun pour le Ben non plus. Ben, à part les premiers albums, je dirais que les, les, euh, les deux premiers avaient une couleur un peu euh... qui était washée, Nair. un peu peinture. Ouais. Puis euh, Black War, je l'aime beaucoup, mais si que la pochette à LED. Je que est LED. Juste un gars qui a un masque, là. J'ai comme OK. Mais cet album-là, c'était tripant. Je, je vais le réécouter. Est-ce que ça va faire mon top de l'année? Je ne sais pas, peut-être. Mais moi, ça a des, euh... moi, ça a des chances. Il y a... Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Donc, ouais, de chance. voilà, ça te fait du bien, hein? Ça va mieux, là? Ah, ça va mieux. Fuck l'opinion doc pauvre, qui est maintenant muté, puis ça me fait du bien. <laughs> il est, il est <laughs> muté pour vrai. Ah, je me suis muté et j'ai oublié de me démuter. <laughs> Ou j'ai une à Simon de muter puis il l'a fait. Il y a un petit peu de cela aussi, je pense. Euh, J'y vais, vais avec les top tracks. Pour moi, je pense que j'aurais pu mettre toutes les tonnes. Il n'y en a pas une qui me fait chier sur l'album, sauf. Le fun, euh, mais mon top track en troisième position, j'ai mis la sixième Home Sweet Hell. Que plus je l'écoutais, plus qu'elle aurait pu faire mon numéro un, mais je l'ai écrit. Puis elle est là euh, en deuxième position, la première Haunted by Guilt. Ah, liste de début d'album, man. Ah, oh, j'étais c'était c'était genre commencer un album puis avoir un soupir de oui. <laughs> <laughs> Je suis bien. Mais ma préférée, c'est la neuvième Taken Before Given. Il y a une note là-dessus que j'ai trouvée. Oh. Tu quoi? Une, sais -tu Pourquoi ça sonne aussi vieux que ça? Parce que c'est une vieille tourne qu'on prit quand il y avait partie le band, quand il y avait 14-15 ans. Disait, tu sais quoi? Cette là était cool, on va la faire. T'es pas sérieux? Oui. T'es pas sérieux. C'est ça que j'ai J'ai poigné sur Metal Archive, quand tu regardes sur l'album. Sur Adventure Notes, ben. Non, je ne la vois pas. OK, ah, mais peut-être. Peu. En tout cas, cas, très cool. Très cool c'est ça, mais je, 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 c'était automne-là m'a mis sur le cul. Ça sonnait old school, c'était méchant, c'était le fun. Puis regarde, Josie, a dit dans le chat, leur balade émotionnelle montre la maturité du band à 100 Moi, je suis un fan de balade. Puis, j'allais dire, la note en question là, est sur le. Quand tu vois se archive, le Taken Before Given, le single, c'est là que tu vois, le dans Additional Notes. OK. Très cool. Moi, j'aime ça. Elle est bonne. Ma préférée. Fuck it. Voilà. <laughs> On continue le tour, euh, Félix. OK, ben, moi, je suis pas trop fan de balades. Fait que leurs balades, je les ai pas trop aimées. Je trouvais qu'ils étaient plus à leur fort quand c'était des, des tunes vraiment comme qui se font aller, puis qui s'envolent, puis le genre de choses, c'est comme euh, leur faire, là, avoir comme 12 ans, là, tu sais, je commence à jouer de la guitare ou je sais pas trop quel instrument, whatever, parce que, que ça vous être le fun de jouer ça, comme toi, petit chum, vous êtes comme dans un local de, de jam tout en rond, puis vous jouez ça, là. que ça doit être cool, parce que ouais, c'est ça, fait que, puis mon, mon top, il reflète, c'est ces trois tunes qui sont complètement comme déjantées, comme rapides, le fun, catchy, avec des belles transitions. Ce troisième, ce serait Tons of Chaos. Malgré un petit côté un peu fromagé. Je trouvais qu'il était un petit peu cheesy par bout. que les autres n'avaient pas Un petit peu fruité. Fruité. Ouais. Très fruité. Puis deuxième, ce serait Haunted by Guild. Parce que c'est ça, comme tu le dis tabarnak, Quel début d'album, right? Puis tu sais, moi je suis le gars qui parle d'intro, whatever. Il n'y a comme aucun des bands cette semaine qui avait vraiment d'intro à leur album, fait que c'est ça, c'est juste ils commencent avec la toune, puis wham, puis t'es comme oh. Puis pour moi c'était la première fois, comme je dis que j'écoutais du calma. En fait je dis que je n'avais jamais écouté de notes, c'est pas vrai parce que Pouilleux of Destruction ils n'ont parlé je pense voilà un mois quand ils parlaient de cet album dont on parle présentement, qui disait, que c'est dans leur nou ce segment de nouveauté, puis ils ont fait jouer un petit extrait, fait que c'est. Mais là c'est ça, c'est comme première toune de calma que j'ai écouté au complet, puis t'es comme Chris. C'est ça, calma. Hein? J'ai marqué de quoi. Puis, comme je dis, je vais remédier ça cet après-midi. Puis, première tourne, ce serait Scarred by Sadness. Mm. Parce que c'est euh, dans les solos comme guitare et clavier qui s'embarquent un par-dessus l'autre puis qui se font aller. C'est ça, comme je dis. Est-ce que ça, ça doit être le fun, être un musicien et jouer ça? C'est comme quand tu regardes, mettons, du monde qui font euh, de la skateboard, comme un, un niveau vraiment comme avancé, puis qui font plein de trucs. Puis, tu es comme est-ce que tu dois être fier quand tu quand es rendu à un niveau comme ça? Fait que ouais man, Calma ils m'ont bien impressionné. Ça, ça me fait chaud au cœur de savoir que aimé ça Félix. On dirait que ça me ramène genre d'une vieille époque. Puis je suis comme, on dirait que je t'ai montré ça, c'est un vieux CD là. Puis je suis comme, hey, écoute ça <laughs> man. Ben puis euh, la semaine passée tu sais j'ai downloadé parlé... ça sur LimeWire. Ouais. Ben tu sais puis la semaine passée je pense que Cattle Decapitation c'est un de tes groupes fétiches. Pis ouais. Moi c'est un groupe que j'aime vraiment 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 pas. Puis après ça j'ai comme pensé après coup que comme quand que quelqu'un parle d'un groupe que j'aime beaucoup, qui n'en parle tellement mal, ça, ça me fait quasiment comme mal moi aussi. Là. Comme si comme quelqu'un dit que Sodom, c'est de la merde ou whatever, je vais être comme cette <laughs> larme ouais, qui apparaît. Fait, fait que le petit moment que t'aimes Karl Ma pour moi me fait un beau, euh, un, un beau, beau cadeau. Ben beau ouais, je compte amener, man. Puis il le mérite. Là, un... Mais Doc Power, on skip. Fait que Max, non, c'est pas vrai. Oh, Donc, vas-y. <laughs> moi, moi j'ai mis, mis exactement le soûl à ce moment-là parce que je le savais que j'allais te faire de la peine avec mes mots. Fait que au moins, avec tes yeux, tu vas peut-être être heureux de voir que j'ai un onesie de Budweiser pour toi. Encore moins! Encore moins! <laughs> la, trois, la troisième top twack pour moi, c'est euh, No Words Sad euh, Enough, la quatrième. La deuxième, c'était euh, « Home Sweet L qui est la sixième. Oui. Et euh, la première, j'ai mis « Red and Black », la huitième. Je ne sais pas pourquoi, oh, ouais. mais on dirait qu'à chaque fois que « Red and Black » arrivait, c'était comme l'espèce de chanson phare à la huitième position dans l'album, que j'étais comme oh, « OK, let's go on... ». Il y a comme un petit, petit remoment de vie pour moi, cette chanson-là. Là. Right. Je, je trouvais ça intéressant. Max la plupart de mes toons, ils euh, n'ont pas été nommés, sauf euh, Doc qui vient de le faire, mais ma troisième, c'est la huitième Red and Black. Ma deuxième, c'est la dernière, Drifting in a Dream, mais ma préférée, celle que j'ai trouvée la plus calme dans la gang, c'est la septième, Tons of Chaos. Elle je... a failli faire mon top, mais je... juste pas. Ah, moi, j'ai ai, bien aimé. Ben, la structure, j'ai écouté ça, de... j'ai comme... Will return, man. They will oui. return. Ouais. Donc, j'y vais avec ma note. C'est un solide 9. C'est pour moi un album qui est du pur bonbon du début à la fin. J'étais gâté. Je me sentais bien. J'étais en territoire très connu d'exécution de haute volée. Pour vrai, c'est quelque chose qu'en fin d'année, il va falloir que j'analyse, que je vérifie. Tout ce que j'ai écouté, puis je fasse comme moi hey, calme hein? Calma. Ça m'a fait du bien d'avoir un beau calme comme ça. C'est tellement hot. Fucking merci, Karma, d'être encore là. Parce que j'en ai pas. C'est un cadeau de fête groupes. en provenance des lacs finlandais. De... Mais c'est comme. <laughs> il n'y a pas beaucoup de groupes qui font encore ce melodic power-là. Puis eux sont. Mes frontrunners front de tout ça, là. ils n'ont jamais été dépassés pour moi. Tu sais, il y Norther dans le temps, tous ces groupes-là, mais Calma les torche toutes. Norther sont payés côté parole, en plus. <laughs> ah, et Norther sont un petit peu plus cheese, mais j'aimais plus Norther que Cobb aussi. Fait que... Ah, non, Pis, non, euh, non. jean euh, Winterson, tu considères ça dans le même volet où c'est un peu plus « black metal » Euh, Winterson, t'es un petit peu plus flyé, il es un petit peu plus il... power que les autres. Ouais. Mais c est, c est, ça dépend. Ça, ouais, ça, il... ça pourrait être dans la même branche, j'ai l'impression, mais un petit peu, un petit peu. éloigné. Là. Mettons un cousin, un cousin germain, je pense qu'on appelle. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Mais euh, gros neuf. Gros neuf pour moi. Euh, les... euh, 9. Je pense que euh, je pense qu'il faudrait que Jeff Mott fasse son appréciation. Lui, c'est un spécialiste de toutes les c'est ça. Moi, c'est un 8,5. <laughs> 5 parce que, man. <laughs> c'est des astuces finlandais. C'est la Finlande. Je veux dire, ils produisent de, de la qualité, de l'innovation dans beaucoup de styles de métal. Oui. Puis moi, c'est ça. C'était une, une écoute très le fun. Puis en plus, j'avais l'aspect je dirais pas surpris, parce que c'est à peu près ce à quoi je m'attendais mais l'aspect découverte que je n'avais jamais écouté avant. Puis Chris, man, Kalma, euh, ils l'ont eu l'affaire. Ils l'ont nice. l'affaire. Ça, ça, ça me surprend. C'est ton album genre préféré de la semaine? C'est comme ouais, c'était ouais, deux albums de black metal moderne assez ouais. mid. Il y a un album de trash qui était très joué, mais manque d'origine. Fait que non, calme-moi, c'est il... il rapporte mon album de la semaine, là. très hum. cool. Doc, j'ai peur dans le fond. J'ai c'est le genre d'album que j'ai deux notes. Si tu me donnes... Non, non, note. non, donne la note, là. <laughs> mon ben, petit raisin sec. J'ai une note qui est 7.5 comme étant un album. Si je prends juste l'album, j'enlève mon appréciation personnelle, je donnerai un 7.5 qui peut aller même jusqu'à un 8. Mais si j'y vais sur mon barème à moi, avec mes styles à moi puis mes écoutes à moi, euh, c'est un, euh, un 6.5 pour moi. Mais ça peut monter jusqu'à un 8 dans un, un chose de verre sans pression. Oui, anyway, vous savez qu ce que je voulais dire. C'est bon. Un <laughs> chose Max. de verre sans pression. Sous <laughs> vacuum. Oui, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Euh, moi, c'est un 8.5. Euh, 8.5 fort. C'est un album que je vais réécouter. Ça va peut-être finir dans mon top de l'année comme toi, Yolin, mais il va falloir que je le réécoute. Ah, c'est. Je suis sûr qu'on s'installe, Mopto Max. Ben, Félix aussi. On boit de la bière on écoute ça, là. Pense on, on, fait on, va... ça, on fait ça comme ça. Ah oui, je pense qu'on va tout comme level up l'album et on va triper encore plus parce que... Au, au pire, euh... évitez moi pareil, mais je vais juste non, boire. Non, non non, 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 ben, non, pareil. non. Okay, non, mais moi pareil. OK, d'abord, je donne un 8.5. Je donne un 8.5. <laughs> je veux temps. des amis. <laughs> eh, oh, boire non. de la bière ou boire de la Budweiser? <laughs> ah, c'est ah. encore plus brisé, là. Il, 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 il est dead. Il est cassé. Hey, merci. Éthique. Ça, c'était fantastique. Euh, bien sûr, on arrive au petit segment final. Qu'est-ce qui nous a fait triper ces temps-ci? Donc, euh, bien sûr, on va commencer par Félix. Vas-y donc. Fait qu'on va garder ça court. Fait que j'ai ma liste. Non, c'est pas vrai. Oh, misère. <laughs> puis, puis, puis ton Internet, <laughs> il est très à chier dans le dernier 20 minutes. Fait... Ouais, pendant un bout, je vous entendais comme si vous étiez sur la planète Mars. Mais ouais, c'est euh... la même chose pour nous autres. Fait que, euh, okay, ben, vas-y. Va okay, ben, j'ai... Non, j'ai juste trois nations musicales, puis le, le dernier, Vomitory. Il s'en vient au review aussi? Il s'en vient au review. Je serai pas de la partie, fait que je vais donner ma note suite. Man, c'est un 9.5, puis ce serait un... C'est proche du 10, parce que Chris de Tabarnak, oh, oui. c'est... C'est du, du death metal steak, steak patate. Mais le steak, c'est du triple A Angus en provenance de l'Alberta. <laughs> c'est quoi puis, le nom qui, du euh, bandus? Vomitory. Okay, All Heads Will, will Roll. Puis Genre euh, Vomitoire. J'étais un, <laughs> un énorme fan de Vomitory. <laughs> euh, leur album Terrorize, Brutalize, Sodomize, c'est un de mes albums de death metal préférés à vie. Il a failli faire mon segment. Ces euh, albums sont des 10. Puis dude, le dernier, Chris, euh, il est tellement fucking bon. Il est... Ah, c'est. Vous n'en parlerez plus en détail quand ce sera les reviews du 14 juin, je pense que tu as dit. Yep. Fait que, le 15 juin, c'est ma fête. Fait que, mec, je l'écoute, ça va être ça va être déjà de, 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 dans le futur. Ce qui est drôle, Félix, ce qui est drôle, c'est ce ouais. que tu m'avais dit « Hey, euh, si, si ça fit, euh, mets-moi dedans. » Puis, euh, tu vas être dans les reviews. Ben, <laughs> il faudrait que je confirme parce qu'il ouais. se pourrait que je puisse, il se pourrait que je puisse pas. Je dirais un 50-50. Si Techniquement, suis... tu es à l'horaire. OK, ben si je suis le line-up, cool. Sinon, ben, je, je vais t'avertir dès que je le sais, OK? Parce bon. que si oui, ouais, c'est ça. Un, un excellent album que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, deux autres mentions musicales. Il y en a un, c'est du black metal amérindien. Puis le nom, j'ai aucune tabarnak d'idée comment prononcer ça. C'est du Lakota. C'est M-A-H avec un accent circonflexe à l'envers. p I, accent aigu, Y-A, L-U, accent aigu, T-A. Fait que c'est marre Puis, on... Puis c'est ça, c'est... Oui. C'est du black metal. De... Oui. C'est crissement fucking bon. C'est du... très raw, c'est très atmosphérique. Il y, a un... Il, y a pas... Il y a un minuscule aspect comme amérindien dans la musique, mais sinon, la, la thématique, leur cover d'album, c'est comme un vieux monsieur amérindien avec... Euh avec une longue pipe, tu sais, un, un, un calumet, tu appelles ça je pense. Mm -hmm. Fait que je vais le partager sur, sur le groupe Metal Minded, parce que ouais, euh, à moins que ouais, ben je le trouve pas qu'est-ce que tu dis. Je trouve pas ce que tu dis. Je ben, Parce que, je vais le, mettre dans euh, le... Euh, ok dans le chat. T'as pas le, le input pour mettre un accent circonflexe à l'envers sur ton H sur ton clavier. <laughs> Puis dernière Et... chose, c'est après la semaine passée. Ou ce que c'était quatre albums que j'ai reviewés négativement. J'ai pris un break du metal. Puis je suis allé dans le noise rock, qui est un style que j'affectionne beaucoup. C'est assez euh, adjacent au metal un peu. Tu sais, c'est heavy, ça peut être comme violent, méchant, très abrasif. Puis c'est un style qui est, à, qui est assez large en général. C'est tu sais, noise rock. C'est comme un peu comme soit du punk ou du rock alternatif, mais avec des guitares encore plus fuzzy puis des voix qui sont des fois vraiment comme loin dans le background, comme screamer. Puis il y a un band sur lequel je suis tombé qui s'appelle Eyes, genre yeux. Fait que pour le trouver, il faut être sur Bandcamp comme Eyes, E-Y-E-S, C-P-H, parce qu'ils viennent de Copenhague au Danemark. Mm. Puis eux autres, c'est du noise rock fusionné avec du metalcore. Puis ça, après, comme qu'est-ce que j'ai dit de, de, mon, de mon opinion du style metalcore en mm -hmm. général Reste que, je veux dire, il y a moyen en Chris de fusionner des, des éléments ultra intéressants du hardcore puis du metal pour faire de quoi de chris man cool. c'est ça, Eyes, ils sonnent beaucoup comme le groupe qu'on n'a pas le droit de nommer parce que leur chanteur, c'est une espèce de comme violeur bizarre, right? mais qui ont sorti des, des estis d'albums de la mort. OK, mm -hmm. ben, <laughs> oh, Ouais, 20. on sait qui. <laughs> Fait que si vous voulez écouter du stock comme ça, qui est de la style de musique, de la mort, de la style de bonne musique, mais sans l'aspect coupable d'encourager de, implicitement une espèce de violeur bizarre. Allez checker Eyes de Copenhague. Très cool. Que je vais partager aussi dans le groupe Metal Minded de Super. All right. Donc, Doc, vas-y pour ce qui te fait tripper ces temps-ci. On va essayer de ne pas trop prendre de temps, mais ce qui m'a fait triper ces temps-ci, c'est bien certain... Il y a l'un qui s'en va à ma présentation. C'est bien certainement mon nouvel ami, l'œuf du Bernard. T'écoute encore mon raisin. Je oh. <laughs> suis en train de montrer mon œuf, mon œuf du Band Ball, euh, et que je remercie encore les donateurs anonymes qui m'ont permis d'acheter cet œuf d'une valeur de 20 avec 30 de shipping. J'en suis très heureux. <laughs> Max qui est découragé. Donc, c'est un œuf, c'est une édition limitée. Il est out of stock. Si vous dites, euh, cet œuf-là est donc extraordinaire, malheureusement, le seul qui existe est ici en ma possession en ce moment. Donc, il fallait que je shout out mon œuf. <laughs> Sinon, c'est ainsi, euh, niveau émission, je suis toujours aussi addict à euh, Critical Role. Je suis presque rendu là, à la centième épisode de la saison 2. Puis, je suis aussi en train de me faire un centième marathon. Centième épisode Christ? Centième, yep, centième épisode de la saison euh, 2. Et euh, ben, Critical Role, c'est un, une game de DND. Dans le fond, c'est une game de DND qui est live streamée. Euh, online fait que c'est des épisodes de comme 3 4 heures puis c'est ça il y en a comme 140 que pour la deuxième saison. Fait euh, j'écoute ça tout le temps tout le temps tout le temps et euh, sinon je suis en train de me faire aussi un marathon de Camelot. En ce hmm. moment, j'ai les je pense. on les voit ici. les Oui, je les vois, j'ai les mêmes. <laughs> J'approche la saison 3, déjà, ça va beaucoup trop vite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté Kamelot, puis euh, honnêtement, c'est encore meilleur que dans mes souvenirs. À <laughs> chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est meilleur que ce que je me souvenais que c'était. Il y, y a une chose que je peux te dire là-dessus, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est <laughs> pas, pas faux. Nice. Sinon, euh, niveau musique, le band, euh, non S2. A sorti le 12 000 album. Euh, Legacy, c'est la même personne qui est derrière Canon euh, Fiber. Canon and Fiber. Euh, oh, pour... Canon and Fiber. Je, ben comme j'avais montré, là je ne l'ai pas proche, mais en pré-podcast, j'avais montré justement, j'ai reçu ma, ma patch, ma grosse patch de Canon and Fiber. Fait que c'est le même, le même dude euh, qui est dans Canon and Fiber qui est dans Non S2. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Non, mais tu, te te prononce, euh, tu te prononces lui. rien te te comme du monde. Il <laughs> <monde. rire> <laughs> <laughs> n'y <laughs> euh, euh, si. euh, avait mais pas un autre projet que tu avais re -re 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 reviewé, Yolain? Euh... Oui, c'est l'EPA. Oh, c'est tellement bon, l'EPA. Tout, ce qui, tout ce, qui ce qui touche ce gars-là, c'est incroyable. puis Ce qui est cool, c'est euh, Non Est Deux j'espère que je l'ai prononcé comme il faut, il euh, y a une... <laughs> T'as une petite touche de euh, Mugua un peu. Fait que pour les fans, c'est quand même... Pour les fans de euh, Mugua, super intéressant. Ou pour ceux qui veulent pas écouter parce qu'ils euh, ont été des fois classés avec des opinions politiques un peu, blablabla. Bla bla. Donc, un nice alternative euh, à ça. C'est sorti tout récemment, 12 mai, super bon album. Et sinon, dernier, euh, dernier c'est un shout-out shout à Dr. Gore, notre fameux Dr. Gore, qui a mis de côté pour moi un exemplaire euh, du bundle de Cruel Fate avec le euh, magazine 11. Fait que j'ai reçu euh, enfin ma cassette de Cruel Fate. Fait que je voulais le shout-out aussi. Euh, fait que j'ai pas eu le, la chance de non, euh, c'est le live, le live. Euh... Oui, je l'ai ici aussi. Non, ah, non on ne parle pas de ça. Va. On ne parle pas de, parle Mais... pas de ça. De? On ne parle pas. On parle pas de ça. Oh, je sais pas. <laughs> Mais. <laughs> Simon, il est comme j'ai remis un chandail, je vais dire des choses. Le beau, magazine 11 qui est sorti, puis sinon, j'ai la cassette. J'ai eu la cassette. Très, très, très content. Je ne l'ai pas écouté encore, mais euh, je vais faire ça en fin de semaine, c'est sûr. C'est sûr. Et certain. Simon, Simon es tenu en Tu veux dire des mots, Simon? C'est sûr, bon. sûr que c'est bon. C'est sûr que c'est bon. Oui, je suis complètement, complètement à poil autour de mon linge. <laughs> euh... Ah ben oui. <rire> 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 Ouais, dans le fond, la cassette, M. Poivre, c'est sur un bord, c'est notre premier démo euh, complètement remix, euh, remastered. De okay. l'autre côté, as le, le live stream de Metal Minded In Your House 2. Oh, Sir. ok! Oh, nice. Tout, tout euh, nice. mixé, masterisé par M. Euh, Topon Das, The lui-même. M. Topon, mm. que nous aimons tous énormément. J'ai hâte On a écouté ça, c'est ça, je ne je l'ai pas écouté euh, encore, mais en fin de semaine, ça va, être, ça va être dans le tape deck en fin de semaine, sûr et certain. Mais moi, je suis content. Puis en plus, c'était le bon rôle avec euh, la pin, la patch, puis tout ça. Puis je vais avoir ça sur ma veste, puis tout, puis tout. Ah, je vais être beau. Nice! J'allais je, je, je dire, euh, Doc, euh, tu appelles ça Non-S2, mais moi, je me suis entendu que tu dis que ça ressemble à du m gla du Mgla. C'est du hey, Mgla. C'est hey, un peu plus non, que Mgwa. Ben, C'est du Mgla. Je, je trouve ça quand même cool qu'on qu respecte la genre, phonétique polonaise de même. Parce que on il, est soleil. Ça ne donne pas beaucoup de faveur ça. à mettre une style lettre de même polonaise de <laughs> au milieu de leur nom. Le polonais, je connais pas, mais le polandaise, je connais, par exemple. Ah, parce ça que ça aussi. vient de la Pologne. Comme que j'ai dit plusieurs fois on <laughs> record, je con suis convaincu que c'est même pas une vraie langue. Puis que tous mes chums polonais, quand ils écrivent sur Facebook, ils font juste comme niaiser. Genre. Le polonais, c'est du fake news, ça n'existe pas. Prochaine oh, personne. Ben, ça. <laughs> ben, oui, oui. Euh, euh, regarde, euh, mon oh. frère là. Euh, au niveau musique, je suis tombé sur un band, j'en ai parlé un peu hein, à Pouilleux. Euh, c'est un band qui s'appelle Fleibottomized. Ouais. Puis, euh, tu regardes la pochette, tu te dis, « Hey, ça doit être de la style de musique brutale. » Puis, c'est particulier. C'est atmosphérique. Pour un moment, il y a du piano. Puis, j'étais sûr que c'était du death metal. <laughs> mais ça, en tout ce cas, c'est spécial. Ils sont beaucoup dans d'autres genres, mais auparavant, ils plus death. Ouais, ouais, oui. Mais la, la dernière pochette est super brutale, en plus avec des anges pense par les pieds du sang. Mais c'est pas du death. En tout cas, elle est euh, folle la pochette. Oui, oui, elle est vraiment cool. Euh, j'ai fait, euh, ça va sortir demain, j'ai fait la review du nouveau de Glory Hammer que j'écoutais beaucoup. C'est du cheese en, en barre à côté. Je sais que tu aimeras pas ça, mais <laughs> moi, j'aime ça. C'est cheesy, c'est médiéval, c'est ridicule. C'est un Glory Hole, c'est un Glory Hole. C'est quoi un Glory Hammer d'abord? J'essaie C'est spécifique. C'est spécifique. Ouais, c'est ça. Laisse aller euh... ton imagination. Ouais, je te je, je, je laisse ça, euh, Félix. Euh, 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 Glory t's... Hammer, dans le fond, c'est que tu sais, c'est la, la meilleure affaire qu'un Glory Hole, mais au lieu qu'un qu happy ending, ben, tu manges un coup de marteau sur ta jauge. Ouais, c'est ça. Oh. Il <laughs> <laughs> y en, un, oh, oh, pas, prêt. Y en un, pas prêt. Il y en a qui n'étaient pas prêts. Euh, oh. Il euh, y en a certainement d'entre vous qui ont vu ça, mais j'ai euh, sorti aussi la review pour le, le pen de David Elefson qui est Diet. Diet j'ai failli le driver. mettre aux reviews du mois prochain puis je l'ai pas fait. J'ai écouté, c'est correct. C'est correct. C'est euh, sûr qu'il y a plein de monde qui va écouter ça en disant Ah oh, mais ça ne sonne pas comme mes, mes gadettes. Ben non, que, ben non, mais c'est avec des membres de des experts de n puis mm. de Decapitated. C'est un Dead Trash. Je pense qu'il y a tu vas apprécier quand même. Mais euh, tu, verras, tu verras. Et euh, j'ai commencé à écouter Frozen Soul, le nouveau. Ça, c'est un nasty de pochette. Hein. Ça, We ça, reviews la semaine prochaine. Ouais, ouais, mais, oh, don't oh. ouais, mais ça, c'est une des plus belles pochettes que j'ai vues cette année. J'attends Chris Manko, le Glacial Domination. Là. Bon, mm. On va en parler plus la semaine prochaine. Parce que je fais un review la semaine prochaine. Moi, j'avais écouté euh, oui. d'avant? C'est juste une petite affaire. What, je mais... pas au review la semaine prochaine. Euh, on, euh, pour te répondre, Doc, oui, on a écouté l'autre album d'avant, puis moi, j'avais pas trippé. Moi non plus. Mais... Ah, ok. okay. J'avais trouvé okay. ça. Okay. Juste... Je, je suis curieux de voir vos reviews. J'avais mm -hmm. trouvé ça, Vra... même Christmas, je trouvais que justement Frozen Source avait pas d'armes vraiment. C'était juste oh, okay. Dead Caverneux, bien standard, puis je comprenais pas pourquoi il avait été si Il ben, y, y, une... euh... ben, y a une arme, c'est juste qu'il est gelé. Ouais. Ah, que j'ai hâte de voir vos, euh, bon de voir vos, vos reviews. Je <laughs> suis curieux là. Donc ouais. pour, pour ma part, les choses qui m'ont fait trip c'est ainsi. Oh, pas fini. Vas-y. Tu dis tu dis es arrivé à la fin. Ouais, oh, mais j'ai juste on a écouté deux films récemment moi, ma blonde puis tu sais deux, deux Tear là. Euh, on a écouté Big Fish. Ah, puis oui. on a écouté euh, Ben Sentinel Man que j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup, même si ce film-là, est un peu détesté. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'adore ce film-là. Puis Robin Williams, là-dedans, est excellent. J'aime le tout. concept du robot qui veut devenir humain pour avoir une vie finale et apprécier les choses de la vie. Ouais, j'adore. Fait que c'est tout. C'est tout de mon bord. Pour ma part, pas beaucoup d'albums. Comme je dis, l'été commencé, pour moi, c'est. Euh, j'ai pas beaucoup de temps pour écouter autant d'albums que j'écoute en hiver, euh, mais j'ai écouté une coupe de singles. Shout out au single de Hysterical Blindness. Mm -hmm. Oh Lord, quel toon! Euh, Je pense qu'ils ont trouvé leur créneau. Je pense qu'ils ont trouvé leur place exacte dans le qu'ils veulent faire un post-black de haute volée. Euh, quelle vidéo! Quelle vidéo! production de fou. J'ai adoré. Sinon, je dois le mentionner, Anonymous et Mon oncle Serge ont sorti une tonne. Oui, je les ai que... vus tantôt. Est-ce que est j'ai aimé ça? Call <laughs> Oui. Redoublé, man. Redoublé, redoublé. C'est drôle, il y, a un, euh, il y a un cameo de Marco Cagliari dedans, en plus. Hey, euh, le style joke de Popin qui fait, là. Ah, oh, c'est tellement On, on bon. la cachera pas, vous irez voir le vidéo, mais il fait un estipone de poupée là-dedans. Là. Ouf! Ah oh oui, est excellente! Es. Mais comme pour vrai, c'est beau, c'est quatre, c'est parfait. J'ai hâte de les voir au mois de juin. C'est mm. comme quelle, quelle beauté de nous relancer dans l'univers académique du massacre. Euh, Je suis vraiment content. J'ai adoré ça. Sinon, côté film, euh, hier soir avec euh, mon chum Dan euh, et mon chum Martin, on a regardé The Wind. Euh, et sinon, cette semaine, j'ai regardé, euh, bien sûr, euh, suite au décès de Michel Côté, j'ai regardé Sur le Seuil, qui est euh, un des personnages, ben, le personnage principal du film. Puis je l'ai plus apprécié que la première fois que je l'avais vu. C'est un film qui est quand même lent, mais qui a une finale. Mais comme quand il embarque, comme quand, es, comme, quand tu viens à la réalisation de comme oh non! Moi, c'est un de mes films préférés sur le seuil. Ben, quand même... Finale explosive, la scène dans l'hôpital finale. Fuck tout, man. Tu, tu l'avais ça en DVD parce que je le trouve plus nulle part, moi. Je l'ai en VHS. Oh shit, okay. Ben Max, okay. je l'ai en DVD. Puis d'ailleurs, je pense que mec, je retourne au Québec, je vais me débarrasser de mes DVD. Fait que je veux dire. Ah, je, okay. peux, tu, ouais, je, je, je peux prendre, te euh... le donner. Ça, puis non, en fait, c'est ça. Je pense que je l'ai vu comme dix fois le film parce que j'avais amené des films en Chine que je savais que je ne pourrais pas comme télécharger ou acheter en DVD dans les marchés comme. De... Tu sais, c'est des films québécois surtout que j'ai amené fait que Sur le seuil, c'est ça, je pense que je l'ai écouté comme 10 fois. Genre. <laughs> nice. Mais, mais... en passant, il y a Tata Mine qui dit J'ai bien d'écouter leur bière. Il l'avait pas vu parce qu'il était arrivé un peu trop tard, mais la voilà. Oui. Fait que... Je vais la voir vendredi en ma possession. Donc, moi, euh, au prochain podcast, ça risque d'être ça bien là Je vais boire. Donc, on est à la fin. Euh, merci beaucoup, messieurs. Quelle belle soirée. Beaucoup de plaisir. Euh, vous m'avez fait chaud au cœur d'être ici avec moi ce soir, parce que pour moi, c'était mon party de fête, metal-minded avec vous autres. Ma fête est en demain. Bonne fête! Merci, vous êtes beaux, je vous aime. Donc, bien sûr, <laughs> je mentionne ce qui s'en vient dans la sphère métallique dans notre univers. Donc, bien sûr, Horror FM a récemment Release euh, une vidéo bloopers sur son Patreon. Allez checker ça. Doc Gore a bien sûr édition numéro 11 de disponible en ce moment. Allez vous procurer ça. Qu'est-ce que tu vas crisser là? T'arrêtes pas de release des vidéos, man. Je perds le fil des fois. J'ai que... sorti un, avant hier, une vidéo de road trip de, notre, de nos vacances d'hiver. Voilà. Je suis crissement en retard. Je procrastine pour ce qui est de les monter, mais vous irez l'écouter, man. Je veux dire, j'ai comme tu sais, il y a qui a comme 23 views dessus. Là. Come on, man. Donnez-moi des vues. Moi, Puis déjà allez voir fait. dès que ça a l'air. Nice. Moi, je suis retard. J'avoue, moi, je suis en retard sur mes écoutes. Faut que j'aille les écouter. Mais je vais y aller, je promets. Mais de toute façon, Donc, même si j'aurais deux... Même si j'aurais deux, si deux views, je, je, je le ferais pareil, man. Je m'amuse. Donc, allez regarder bien ça, sa chaîne YouTube, son blog, les chinoiseries qu'il release avec nous. Il y a plein de stocks. Félix, il est prolifique, il est partout, il suce beaucoup de pénis. Donc, on continue. <laughs> euh, demain, on continue sur Twitch avec Doc Poivre. Euh, dimanche, on revient chez nous avec euh, le podcast, avec Buffalo Theory. On risque d'avoir bien du fun. C'est des chummies, je les connais bien. Bisonneté. Euh, Bisonneté. Euh, <laughs> Pareil, même chose. Il n'y avait pas un MTL à la fin de leur nom ou ils l'ont enlevé, oui. je pense, non, un non, il, il est dedans, le milieu du patente. Mais Parce ça fait partie de Thierry. leur nom ou c'est juste s'ils oui. mettent pour ouais. des... Oui, okay. ça fait partie de leur nom. OK, pourquoi pas. C'est okay. Bob Lothary, Montréal. Euh, après ça, bien sûr, lundi, on retourne voir Doc Pov, mardi, Pouilleux. Et après ça, on revient sur les reviews Metal Minded pour jaser de pronostics Antimoine, Frozen Soul et Vanta Black Worship. Donc, trois bandes québécoises et Frozen Soul. Antimoine, man! En « Antimoine, Antimoine. j'ai hâte d'écouter vos reviews, puis je vais me Moi fâcher aussi. si les notes sont basses. » ça, je dis rien. Puis là, puis là Jeff, dans le chat, euh, mm -hmm. Doc, il dit... Euh, « On gage combien que Doc pourra pas stream demain? » Il dit que c'est pas Jeff, hein? <laughs> il dit que c'est pas Jeff. Mais regarde sa photo de profil. Non, je, je, voir, je suis allé voir proche, pas lui. <laughs> OK, c'est peut-être pas Jeff. <rire> 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 non, demain, demain je suis là, il y a de l'électricité en ce moment. Il n'y aura good, pas d'électricité demain. Hey, dis pas, arrête de me jinxer. dis pas ça, ça va arriver. multi Memory Controller qui dit merci pour le show. Bonne fête, Yalin. À plus, toutes. Euh, multi Memory Controller, il nous écoute. Oui, ah oui, pas oui, oui. lu sur le podcast. En plus, c'est mm -hmm. super hot. Bah oui, le bah Côté oui, bah oui. qui me remet, qui, qui dit bonne fête aussi. Puis Aurora FM qui dit travaille sur sa prochaine vidéo. Live devrait sortir semaine prochaine. C'est une longue celle-là. Euh, Josie aussi qui s'est joint à nous ce soir, c'était fantastique merci beaucoup de tes interventions, c'était vraiment cool de te voir écouter l'épisode qui dit bonne soirée à toutes euh, sérieusement vraiment, vraiment, vraiment très cool de tous vous avoir vu en live pour ce bel épisode, merci messieurs de faire partie de cet épisode, merci Simon de toujours être là, de toujours être assidu de toujours être en chasse et de te toucher donc je finis cet épisode sur un beau cheers. Je vous aime. Bonne fête soirée. Like, subscribe et on se revoit très bientôt. Santé.